Luc, juste avant de lancer. Allez, j'ai bien aimé jouer avec toi, mais au revoir. Allez, j'en mets la couronne. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un DBD survivant avec Kylian. Merci. Merci Kylian. Et Brahim. Yo, j'ai plus ma couronne parce que je l'ai enlevée, parce que sinon on peut te repérer trop facilement. Et Arthur. Bonjour. Et Kylian. Ah, mais putain, mais ce mec. Qui est mort. Voilà. Le plus déterminé de ta phrase, c'est vrai. Merde. Et donc ça part sur un DBD survivant, on va essayer de gagner, on va essayer de survivre, on va essayer de pas se faire ta couronne, démonter les faits. Hein? Enlève ta couronne. Pour quelle raison? Bah, un petit peu lumineux dans le noir, tu vois. Mais que la couronne, je l'apporte dans chez Game Survivor, elle m'a jamais trop embêté. Hein. Non, pas toi, pas tout le monde, tout le monde. Ça porte malheur en fait d'avoir une couronne. Alors, pas vraiment. Mais mec, t'as jamais remarqué qu'elle était genre ultra voyante. Elle est ultra voyante, mais je me suis jamais fait griller avec. Alors, bien sûr. Couronception. Bolger, il faut quoi? Les gars, est-ce que je prends jarre de lèvres salées de Vigo avec un deuil? Ah, je connais pas ce que j'ai. Étranglez-moi ce connard de phénix, parce que moi, j'en ai encore envie à côté. Non, mais c'est une blague. Ouais, mais avec toi, je blague. Non, mais même moi, je sais pas c'est quoi. Même moi, je sais pas c'est quoi. C'est moi qui ai une plaque qui est fraîche. Il y a une frotte qui s'est pas du tout activée. On l'a enlevé depuis. Arthur, qu'est-ce qu'il y a sur le fond? Arthur, franchement, la partie au fait où tu avais joué la chasseuse, t'étais fort, hein, franchement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la partie où Phoenix s'est pris les mecs qui sont morts. Ouais, mais les gars, en vrai. En vrai, il y avait quand même des moments où tu faisais n'importe quoi. Pour moi, on avait même pas gagné contre toi, on avait gagné contre Phoenix. C'est un connard, lui, je te jure. Ah, c'était mon avis. Oui, c'est bon, c'est le traître du siècle, là. Moi, j'ai commencé à vraiment tryhard qu'au moment où il y avait Phoenix qui commençait à casser. Et moi, mec, j'ai même pas tryhard. J'adore, c'est que Phoenix, je l'ai frappé deux fois sans faire exprès parce que je l'ai confondu avec. Avec Willow. Dark Kirito du 63, là. Avec Willow, là. Ouais, Willow. C'est un peu plus, c'est ça. Le Kiku. Willow, comme la fête, là, dans le paladin. Rappelle-moi, on ne me rappelle pas des souvenirs que j'ai envie de faire. C'est encore en fait pas là. Jamais. Je ne me rappelle pas des souvenirs qui font mal au cœur. Est-ce qu'on peut faire Smash? Est-ce qu'on peut faire Smash? Est-ce qu'on peut faire Smash? Propriété de Yamaka. Non, on peut monter en drive. C'est vrai, tu l'as pas merde. C'est quand qu'on fait un spell break? C'est quand qu'on fait un hyper Skype? Un spell break, on a déjà retrouvé qui allait moi avec Elias, mais c'est pas. Merci, mais il sent moi. N'a pas les venir. T'as raté un générateur. Non, il bat un générateur, je suis en recherche d'un coffre. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Hyperscape. Et merde! Merde! Il est sur toi? Légion est derrière moi! En vrai, on a pas fait de Hyperscape. Fils de pute! C'est Légion, ça. Il y a pas de palette là. C'est Légion, ça, Légion, hein, je reconnais. Mais trop bon, le mec, il a activé son pouvoir deux fois sur moi. Il aurait dû se barrer et. Je pense qu'il connaît pas très bien son terrain, c'est pas la pire phrase de. Alors, attends, non, là, non, mais le jeu, là, par contre, t'as du jeu. T'abuses, le jeu, t'abuses. J'ai clairement passé la fenêtre, ça se voyait. Endo, tu vois, avec Légion, en fait, il y a une portée pour voir les gens, donc si on est trop loin, il peut pas nous voir. Il y a une portée de fils de. Regarde, je danse. Quoi? J'étais dans le noir. Même pas blanc ni rien, noir. Là, il est pas à côté de moi. Allez, Corbeur. Il m'a lâché, Arthur. Allez, Corbeur. Il a tout son pouvoir, Arthur. Et ouais, il arrive chez toi. Endo, on a mis 4 heures de Ligue 1 en même temps, mais t'étais crochet. C'était totalement faux parce qu'on veut plus jamais faire des stratégies de merde. Je crois qu'il a le tour à jouer. Quoi ça déjà? Quand il met un coup de pied à un générateur après avoir tapé un mec, après avoir accroché un mec. Il retire un gros pourcentage d'un coup. Bah il y a un homme qui se prend les rochers. Ouais. Ouais, t'es où? Dans la marade juste à côté. Bah je voulais qu'il me soigne, je suis dans un bush et tout en attendant. Fais tranquillement. Mais vas-y, en fait, je suis en train d'ouvrir un coffre. Il est en torche, c'est bon. Tiens, tu veux la carte peut-être?
Ouais, je pourrais la prendre. Tu peux l'éloigner, s'il te plaît, je fais le gêne. Mais on est d'accord là, tu ne touches pas là. Je crois qu'il m'a lâché. Ah non, non, il est encore sur moi, il revient. Mais quoi, Enzo? On est d'accord, tu ne me touches pas là. Il y a quoi, une palette là? Tiens, vas-y, je te donne la lampe, tiens, si tu veux. Fais comme tu veux, mais. Par contre, je gère pas encore la lampe. C'est un peu le caca parce que là, on fait vraiment zéro gêne. D'accord. Je vais dire ça plus souvent, pardon. Mais en fait, ça sert à rien de refrapper un mec. Franchement, les gars, on fait vraiment zéro gemme, hein, plein de clin d'œil. On fait vraiment zéro gemme, sing, sing, sing. Qu'est-ce que tu fais? Endo, tu te rappelles la maison où je t'ai soigné? Viens à côté. Mais putain, ça, générateur après tout ce temps. Mais vous me cassez les couilles. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Kylian? Comment te dire, Enzo, c'était focus dès le début par les gens et que moi je suis parti soigner pendant vous deux, vous étiez en train de faire un gène? Mais putain, mais il arrive vers moi, bro! Bon, il arrive vers toi, Enzo. Faudrait que Arthur ou Brian viennent m'aider là. En fait, on est en train de faire un gène en peine, mais tu te plains qu'on passe pas de gène, tu vois. Pendant que je me fais poursuivre, parlez. Tarliski, Tarliski. Il faut qu'on ait parlé de gêne ensemble, justement. Tarliski de la Légion. Oh, la Légion, mec, m'a même pas vu, frère. Je suis derrière un arbre, je suis posé. Yann, tu peux pas attendre, s'il te plaît. Arthur, tu peux me libérer, s'il te plaît, t'as ton bonus de soins et tout, là. Putain, ça l'a rien. Il est on duty, mais. Mec, tu peux plus dire qu'il y a une sur toi. Quoi? It's my time. Putain, ça m'a l'air des putes. I'm paid, paid. Bien, gêne. Endo, prochaine fois, je suis content qu'il est pas sur toi, prochaine fois. Mais j'ai dit, il vient vers moi, je lui ai dit, il était sur moi. En plus, j'ai fait tard l'esquive, le mec, j'étais en train de crier sur tous les toits, frère. Frère, mais moi, je pensais du coup qu'il était sur toi, du coup. Et merde. Ah, dis-moi que j'ai le time. Ta mère, arrête de me taper, sa fille de Shintok. Oui, c'était raciste. J'ai peur, maman, j'ai peur. Alors, le dédard, merci de t'activer, s'il te plaît, merci. Il te prend un dos, là? Là, non, il me prend pas. Attends, je peux le voir. Il est pas sur Brahim, je crois. Il fait chier, putain, je pensais que c'était des bugs, c'était des putains de bambous de nuire. Je peux pas traverser. Non, je pensais qu'il est ruiné. Mais non, il a pas ruiné. Non, il a pas ruiné. Il a pas ruiné. Il a une tête de père, quoi. J'ai mal. Moi, j'ai entendu qu'il avait le tour joué. Hein. Là, il y a un gène. Viens. Il est parti vers vous, je crois. Enzo, tu t'occupes de le sauver? Ah non, je suis bon. Oui, bah non, Enzo, tu viens de dire. Enzo, t'occupes de le sauver ou c'est moi? Oui, bah merde. En gros, je sauve tout seul, quoi. Merci. Please, Kylian, attends, attends. Deux minutes, les gars. Non, pas par ici. Non, pas par là. Vas-y, viens me taper, toi. Voilà. Je vais me mettre un truc, je te trouverai un petit peu plus vite, s'il te plaît. Ah non, il va sur Brahim, je crois. Éloignez-le, je vais le sauver, s'il vous plaît. Ok. C'est quoi ton plan en fait? Je te heal en deux skills, mon gars. Vas-y. D'accord. Ouais, et presse. Ouf. 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 Oh, ça fait mal, ça. Ah, c'est moi qui viens vers toi, Arthur, c'est moi qui viens vers toi. Arthur, il faut fuir, là, non? Arthur, faut fuir. Pourquoi t'es parti? T'avais clairement pas le temps, il allait me tuer, mec. Mais non, je t'avais soigné, mais... Mec, voilà, non, alors là, pas du tout. Mec, le temps qu'il est arrivé, il te restait au moins 5 secondes avant de me réa... Enfin, avant de me soigner bien. Non, parce que... Et moi, mais... Mec, il arrive en 8 secondes. Du coup, je me suis pris un coup, mais... Ah, bah, Enzo, je passe une mauvaise sur là, en fait. Enzo, il y a un frisson, Enzo, il y a un frisson. Je sais. Il va focus. Attends, je me casse dans les bus. Non, mais Enzo, tu t'es complètement vidé avec ta couronne, hein. Mais mec, c'est... Mec, ça a marché sur Brahim. Oui, mais Brahim, une légion, c'est pas la même chose, forcément. Voilà, regarde, il est parti en passant à côté de moi, telle la loutre qu'il était. Enzo, arrête de bouger. Ah oui, c'est vrai que je suis blessé. À l'aide. Désolé, Kylian. Désolé, Kylian.
Merci frère. Merci frère. Il me tue, hein. Il a son pouvoir d'équilibre, il me tue, je crois. Non, il c'est fou. Ouais. Tu loupes, tu peux pas générer dans les têtes là, et moi, on est en train de faire un générateur, on est en train de faire le loup. On est en train de faire un jeune Okan. Un jeune Okan. Enfin, le jeune que t'es en train de faire, c'est tout l'heure qui gagne. Pas de truc quand je le frappe. On survit. On survit. Je vais renverser au moins 4 palettes dans la gueule, j'ai pas eu 1000 points, j'ai l'impression. Et dans le jeu, le principe. Mais quand t'as mis le gène, je vais aider Kylian avec ma lampe torche. D'accord. Putain. Ouais. C'est ce qui s'appelle bugger. Ça s'appelle bugger. J'avais la chèque, pardon. Non, t'es trop loin. Non, il va me. Non, tout ça va attraper. Non, il est accroché là. Fuis Arthur, fuis, il va te faire le fuis. Ok, let's go, baby. Ok, let's go, baby. Ah, mais Arthur, il s'est pas fait accrocher depuis le début. Mais Arthur, mais fais-toi défoncer un peu là. Bah, Arthur, mec, c'est le genre de mec qui. Bah, c'est pas ma faute, vous êtes nul aussi. Qui se barre tout le temps et qui est pas fait faute. Ah, bah, vous êtes nul. À part pour décrocher, quoi. Je vais vous faire choper par un tueur. Pourquoi à chaque fois, Arthur, à la fin, il se retrouve seul. À chaque fois, il se retrouve seul et il meurt tout seul. Voilà. Et moi, j'ai pas de couronne aussi, hein. Mec, la couronne, mec, il est passé à côté de moi. J'étais dans les bushs avec une couronne dorée sur ma tête. Il m'a même pas vu. Là, je le vois plus. Voilà, donc là. Oh merde. Y'a des gens là-bas qui sont en train de passer. Sur le relief à côté de là, la. Là, il est actuellement devant moi, les mecs. Enfin, Ken, si tu me vois. Attends, je crois qu'il revient vers toi. Je suis à côté de toi, donc je crois que je l'ai vu un petit peu avec toi, tu vois. Ken, il. Bon, après, je me fais peut-être pas accrocher, mais je vous décroche. Oh, il est en train de péter le gel sur les Kylian. Oh, le fils de. Salut, fils de. On fait le gel. Bah tiens, mais non, pas que je fasse commenter. Ah putain, y'avait un escalier, je suis con. Ouais. Il est où? Il est là. Je l'ai brain. Ou pas. Allez, on te regarde. Allez, tu peux le faire. Allez, je me tire, fils de. Va pas vers nous, s'il te plaît. Il veut ma mort, bitches. Mais Ken, qu'est-ce que tu prends? Bah Ken, prends l'agro. En fait, on faisait le gel juste à côté. Ça qui est. Oh merde. Ah, fils de. Ah oui, mais il est encore en activation de pouvoir de merde. Mais attends, mais c'est trop. Il y a con. La cave. Merci Ken d'avoir pris l'agro. Tiens, et si j'allais voir la cave. Les gars, il y a un gène en haut. Ah non, il me poursuit moi. Mais quel gros. Oh merde. Ah ouais, ça va encore plus vite quand c'est un pote. Ok, je pensais que ça allait même vitesse, mais d'accord. Mais quel fils de pute. Ok, Brian, vas-y, fais le générateur, je m'auto-soigne. C'est incroyable ce focus de merde. Ouais, mais après il a raison en même temps, mec. On est encore 4 en vie, y'a plus qu'un mais mec, mais il était à côté de toi, les gars, d'un coup il se barre et d'un coup il revient sur moi. Quel fils de chien. De toute façon, Ken, je crois qu'il y a Merlugène là. Viens de me soigner, fils de pute. Y'a un gène au centre pour info. En sûr, ça va être un fils de pute, d'où il me voit, je suis en tracard. Ta gueule, la gueule, connard. Voilà, la palette, je l'entends de travers. Mérité, ça, je trouve. Oh oui, Arthur. Du casque, oui, Arthur. Ça avait un bruit magnifique. Kylian qui saute sur le mur. Couille, Brahim qui est en train de fuir la mort. Et Arthur qui termine. Non. Oh. Ouais. Mais attends, t'as sauvé avec la torche, trou du cul. Ah non, il est en train de poursuivre. Non, mais là, je l'ai. Ouais, en fait. Brahim, si tu peux essayer de tomber de là où t'es. S'il y a un petit endroit où tu. Ouais. Brahim, essaye de ramper. Ouais, essaye de ramper en dehors là, il y a un endroit où tu peux tomber. Vas-y, le trou, Brahim. Le trou. Ah, Brahim, Arthur qui va se faire tuer. En vrai, ça va. Arthur, lui, c'est mieux parce qu'il est pas. Il est pas du tout dans la merde en fait. J'avoue. Par contre, je crois qu'il l'amène. Non, c'est bon, il l'amène pas. Sur la réserve ou pas? Putain, il revient dessus. Bravo! Il va sauter dans le trou, je parie. Il arrive! Je vous l'avais dit. Viens vers moi. Non, pas par là. Elle a mis une palette. Il doit Ken son pouvoir. Ken qui va commencer à ouvrir une porte, j'ai l'impression. Je t'explique après. En gros, il peut activer son pouvoir et il court un peu plus vite. Et du coup, après, il te blesse en auto-suture. En gros, tu cours plus vite et tout. Mais ce fou cuche, mais va sur Kylian, fils de pute. Il a de l'épée 2, fils de pute. Je sais même pas si je pourrais. Ah, Kylian, il arrive bientôt sur toi. Oh, le magnifique 99%. Ouais. Oh, Kylian, danger! Kylian, danger!
Liane qui décide de fuir. Il frappe moi, frérot. Ok, non. Là, non, ouais, non, là, faut pas trop rigoler avec lui. Ah, rip. Désolé, les gars, vraiment, les Nutella, ils étaient à la porte avec moi, je peux rien faire. Je le déteste. Moi, qui y a dans le tueur? Non, le tueur. Ah, ok. Dès qu'il me voyait, il était obligé de me suivre parce que j'étais le plus nul. Non, je crois que là, c'est plus proche. Des heures et sans me lâcher, je peux mettre KO par terre avec une paire, frère. Mec, j'ai pas pu passer une game sans dire focus par ce tueur, quoi. J'ai même pas pu voir. Attends, mec, t'as vu ton perso, c'est normal, tous les tueurs, ils sont les courants sur toi. Là, par contre, je suis à revoir, frère, alors laisse-moi tranquille. Oh putain. Wibbit! Même le tueur il a envie de taper dedans, putain. Non, c'est bon, j'arrête. Oh. Et pourquoi pas dans Clo-Clo, tu vois? On dirait ta prof de CE1, Claudette. Mais non, mais c'est pas grave, j'ai que pourquoi il a pas focus Claudette ou j'y peux aussi. Parce que moi il a pas vu, je suis un ninja. Qu'est-ce qu'il a moins envie de taper? Elle est renoir, frère. Oh le rat. Ah non, les filles renoir dans les films, elles meurent pas direct. C'est que les mecs. Eh oui. Pour montrer que la force ça fait rien mon pote. C'est généralement le mec fragile qui survit à la fin. Tu vois Dwight là? Ce mec stylé. Pourquoi t'es pas mort? Attends, regarde. Là, c'est un personnage qui est généralement censé survivre. On dirait qu'il se fait taper à l'école, mais pourtant lui il survit, tu vois. Attends, mais j'ai pas vu qu'elle vient. Ah lui! Regarde. Lui il survit dans les films. Lui dans un film il survit. Pas focus. Mon perso il survit ou pas? Lequel? Le mien là? Non, le mien. Le tien? Ah lui il se fait défoncer avec le barbare. Non, lui en vrai le mien lui, c'est 50-50. T'as des films où soit il se fait défoncer direct, soit il survit. Après t'as lui dans Freddy les griffes de la nuit, il survit lui. Hein. Regarde, et après t'as Will, lui il meurt de vieillesse. Oh. Mais lui, c'est qui, William, d'accord, le perso de Kylian là, David King, lui on est d'accord, c'est le mec qui survit pas du tout. Non, lui mec, il arrive, il voit le tueur. Et pourquoi tu survives que du coup? Après, à tête, il fait déchiqueter la gueule. Arthur, en fait, j'ai dit que là, Arthur c'est celui qui a le plus potentiel de survie, tu vois. Non, c'est toi, Endo. Moi je dirais. Je rappelle que les tueurs sont racistes parce qu'ils tuent les noirs, ils aiment bien les meufs. En vrai, il y a moyen que Brahim survive parce que. Parfois aussi, souvent dans les films d'horreur, c'est des meufs qui survivent à la fin. Du coup, tu passes crème, normalement tu crois que t'es parti survivre Endo. Là, les mecs, on est en train de sortir tous les scénarios de films d'horreur un peu merdiques. Merdique, gros, je crois que même dans les plus gros films d'horreur, c'est comme ça aussi. Bah, moi je me souviens d'un film en 2013 que j'avais vu. T'as le noir et l'asiatique qui sont les best friends du monde, et le noir il meurt en voulant aller sauver son pote. Qui est mort aussi d'ailleurs. Bah voilà, D'ailleurs, son pote était déjà mort. Il meurt, mais en fait, il meurt mais qu'il veut pas mettre en avant, c'est tout. Il pouvait faire du whitewashing, mon pote, dis-toi bien ça. Oh mec, ça va tuer la blague avec les axolotes. Tu vois, vous voyez, peu importe l'axolote que vous prenez de couleur, et dans votre inventaire de Minecraft, vous le verrez toujours en rose, l'axolote dans le seau. Ouais. Moi j'appelle ça du pinkwashing. Ouais, faudrait qu'on se fasse un hyper Skype ensemble. Ouais, j'hyper quoi, franchement, on bat un petit peu les couilles là. Bien évidemment, sans Brahim, vu qu'il a pas. Parce que je l'ai, moi, c'est ça. Bah, t'étais censé installer. Alors, hyper skate, en fait, c'est quoi ce jeu? Vous m'avez pris pour qui? Les gars, c'est dommage, hein. C'est dommage quand même qu'il n'y ait pas 4 places pour ce générateur. Vas-y, je vais aller chercher le tueur. Wesh, mais... Bah, frérot, je t'ai dit que j'ai le mec qui me rend plumé dans les films. Alors, au lieu de dire un 20 tête, concentre-toi sur le générateur. Mais je suis pas sur le générateur. Non, mais c'est un générateur, il a tué, il a volé sur notre gueule et c'est les jumeaux. Range ton gosse, salope. Victor.
C'est vraiment range ton gosse. Waouh. Non, 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 non. Shoot dans le bébé. Oui. T'as shooté dans le bébé. Ouais, il a shooté dans Victor. Il a shooté dans Victor. Oh, je voulais. Vas-y, viens, viens, Brahim. Viens, viens, viens. Brahim, je fais un générateur devant le cœur, t'en fais pas. Ça passe, ça passe, ça passe. Incoming for you, dans 20 secondes, je termine mon gène. Avec un malentendu, ça passe. C'était beau. Brahim, c'était beau, t'aurais pu attendre, mais merci. Bonjour. Ça prend une vidéo, rien à foutre. Ah, au revoir. Ah, au revoir. Ta mère, ok, je prends pas de vidéo, rien à foutre. Oh. Il est où, il est où, il est où? Ah, mais je vois pas le bébé, je vois pas le bébé. Ah, tu vois pas le bébé. Ah, tu vois pas le bébé. Pas grave, je suis dedans. Y'a un gène là-bas. Je suis dedans, je suis dedans, depuis. Non, non, je vais pas. Et on va le faire. Coming. My poop is coming. My poop is coming. Mais attends, mais il saute pas depuis tout à l'heure là, tout à l'heure là. Tu niques ta. Ah, voilà. Oh, c'est quand tu rentres. Les gars, oh merde. Non, 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 non. Alors, Ian a tué le petit. Attends, je vois même pas mort. Ah, si, il l'a pas. Alors, j'ai fait une découverte. Shooter dans Victor, c'est ultra kiffant. C'est quoi, shooter dans Victor, Victor, c'est très kiffant, t'as dit. C'est très kiffant, t'as dit. C'est ultra kiffant, j'ai dit. Écoute bien. C'était quoi ça? Oh, Arthur, ah, tu t'es fait. Toi aussi, t'as eu le truc chelou là. T'as eu le truc chelou là. Ta perche, ta perche. Ah putain, mais c'est quoi cette perche de gros bâtard? C'est quoi, c'est quoi? En gros, okay, je crois que c'est okay. Quand tu mets KO un gars sur le prochain générateur, ça met. C'est autre chose. C'est quoi, ouais, genre le QTE là, il était hyper serré et c'était genre abusé. Alors là, j'ai une torture à perfect. Il y a un QTE sur deux autres générateurs random. Ah, c'est ça. Et Bah, comme par hasard, fallait que ça soit le nôtre. Alors attendez, attendez. En fait, sur deux autres générateurs random qui ont déjà été entamés, soit il y a un QTE s'il y a des mecs dessus. Putain, il arrive. Il arrive. S'il y a personne dessus, le générateur il régresse tout seul, un petit peu à la manière de ruine, mais en moins violent. Il y a un temps de recharge de 100 secondes par contre pour cette perte, donc elle est non, pas. Donc, taper truc, taper. Mon gars. Il arrive. Je la trouve plutôt pas mal celle-là. Armin, tais-toi. C'est pas ce qu'il y a de mieux non. Ah non, c'est moi, il est plus là. Ah non, c'est moi, il me tire. Vas-y, viens, on fait ce gène. T'as mais franchement, la technique du tu marches, tu quittes le gène, mais en marchant et tu pars te cacher juste un peu à côté, mec, elle marche trop bien cette technique. Dans l'équipe du tueur, voilà, c'est ce que j'ai à dire. Le tueur il est sur moi, hein, le tueur il est sur moi. Je termine un gène dans 10 secondes. Non, non, il est loin. Ok, il m'a raté. Il est loin de la maison, tout bien, parce que j'ai trouvé un petit totem là. Do you know the way? Ok, bah fais ton totem, tu gagnes un peu. Ah bah, attends, il a sorti le gosse, je crois. Putain, mon perso a volé dès que j'ai purifié le crâne. Je crois qu'il est en train de me chercher dans la baraque, mais il sait pas. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Ouais, il fait le tour de la baraque. Ok, il arrive vers moi. Tant mieux. Wesh, salope! Je suis là! J'ai eu un totem, j'ai eu un totem. J'ai fait un totem parce que personne échappe à la mort, si je me rappelle bien, c'est pas un totem enchanté. Enfin, c'est un totem normal, non? Non, moi il était pas enchanté. En fait, Enzo, J'ai frappé le gosse. Il est repassé sur le gosse au dernier moment. Mais ta mère, dégage. Y'a quelqu'un ici là? Ah oui, y'a Brahim. Non, attendez, non, en vrai c'est mieux de garder le gosse sur toi, comme ça on peut pas le remettre l'autre. Kian, meurt pas parce que sinon on va avoir le QTE pourri. Ah, mais non, c'est pas ça, c'est quand il frappe un générateur, donc au final, ta gueule en fait. Ah bon, bah ça va alors. Ah bon, bah ça va alors, c'est moi qui me trouve, ça me dérange plus en fait. Alors, t'inquiète pas, je fais le gène juste à côté de vous. Allez bien. Non, viens pas. Je suis là. On est là, posé à la place. C'est pas vraiment stressant, une game contre des putains de jumeaux. J'en ai pas le temps. Y'a des bullshit. Voilà. Ah, c'est chiant. Et merde, tu as fait celui-là. Oui, c'est celui que j'ai fait en premier. Mais je crois qu'il y en a plus vers là, Brahim. Le problème, c'est que du coup, ça va forcément. Arthur, Arthur, vas-y, putain. T'es où? Ah, je te vois. Attendez. Il va peut-être m'accrocher. Ah non, il aura le temps. Le problème, c'est que des gènes là, ils sont plus vers proche. Parce que moi aussi, j'ai le temps. Enzo, reviens à l'endroit où on avait fait le premier gène. Attends, mais en vrai, je pense que je vais essayer de sauver Kylian. Ouais, je veux bien parce que bon, je vous ai quand même fait gagner pas mal de temps, bande d'enculé. Ah, mais y'a un gène là. Bon, ouais, je vais faire un gène en fait. Je suis en train d'en faire un gène de la cabane du tueur, les gars. Claudette, tu vas sauver Kylian? Les gars, ah non, pas vraiment. Les gars, écoutez-moi, venez dans la grande cabane juste à côté. Il y a un, il va sauver Kylian et l'autre qui vient avec moi. Vas-y Arthur, si le tueur il vient sur moi. Ouais, je vois, je le vois. Il arrive vers Enzo.
Mais genre, il vient vers moi, ce gros bâtard de merde. Il n'y a pas la grande cabane, ok? À côté, là, de générateur, on avait fait ensemble, mais il n'y a pas la grande cabane à côté, ok? Là, je suis en train de faire vraiment le générateur collé à côté. Je me tire. Oh putain, j'aurais pas le temps pour les. Oh le fils de pute! Attends. Il pensait bien. Il est encore sur toi, Enzo, ou il vient sur nous? Là, il vient. Il tourne sur moi, je crois. Oh pute! Bon, Enzo, compte pas sur moi pour t'aider. Oh merde! Oh non! Merde! Oui, Yes. Toujours sur Gêne là-bas. Ma dure. Oh, il a pas cassé. Il a pas cassé. T'es caché. Bon les mecs, mission sauvetage. Vous savez quoi, je vais faire l'autre porte maintenant. Vas-y, parfait. Vas-y. Tu l'as fait à 99%, tu l'as fait pas totalement. Alors par contre, on en parle que ça dure 90 secondes. Ah oh, putain, en plus ça m'accroche ses dos à la montée là. Alors actuellement, elle va vers. Elle va vers la porte. Non, attends. Non, là elle me. T'as lâché ? Non, là elle est à côté de moi. Enfin, à côté de moi. Ok, Brian, viens, on va tenter un truc. C'est bon. Oh là, ah la pute, elle a sorti Victor ! Elle a sorti Victor, les mecs, elle a sorti Victor. Et en gros, elle a mis son corps à côté du mien. Vas-y Ken. Faut pas shooter dans le bébé, Brian, faut pas shooter dans le bébé. C'est mon problème, c'est qu'elle va. Parce que le problème, c'est. Et merde, Kylian ! T'as sur la réserve, Enzo ! Ah merde ! J'arrive, attends. Je l'ai encore. What? Mais elle me tape pas, frère! Il s'en bat les couilles de toi, t'es un connard! Bon, les deux portes sont à 99%, ok? Kylian, elle poursuit en fait, t'es un pute! Mais frérot, j'ai. D'accord. Bah, c'est rare, en fait. Bon, Arthur, tu me soignes, s'il te plaît, rapidement. Mais mec, attends, pourquoi elle me tapait pas? Mais en fait, elle a dû me taper moi parce que. Ah, vous savez pas vu, merci. Ah, ça va, en vrai, on a rapproché Enzo quand même. Ouais, j'avoue. Alors, attends, là, elle fonce vers la gauche. Je crois que vous avez vu. Ouvrez la porte. Attends, reviens vers moi. Non, c'est bon, elle repart. Elle part, vas-y, Arthur, c'est ton moment. Arthur, qu'est-ce qu'on fait? À l'autre porte, ouais, vas-y, go. Ouais, j'ai fait attaquer. T'es sûr qu'elle est vers là-bas? Elle est pas plutôt vers la gauche? Ah non, elle est là, pardon, je suis. Elle est là, elle est à droite là, tu la vois pas? Ok, attention, par contre, les gars, il y a Victor qui arrive. Vas-y. Attends, je t'y back. Les gars, changez vraiment de porte en fait. Dans un Victor, la grande elle est devant l'autre porte. Je la surveille. Hein. Bonjour, ah, mais mec, il est avec Victor. Victor, mais la grande elle est devant, donc au pire, si jamais il met KO Enzo Victor, je bodyblock la grande pendant qu'Enzo se fait réanimer. Mais non, mais de toute façon, il pourra rien faire parce qu'en fait, on est derrière. Là, s'il nous bute, en fait, on sort direct en fait. Bodyblock, c'est bon. Non mais sors mec. Je peux pas tant que j'ai. Non mais pas non, bah toi mais Kylian je parle. Kylian il devrait sortir là. Barrez-vous. Ah vas-y. Barrez-vous. Là j'ai mangé les gars. Pourquoi barrez-vous? Mais c'est bon là, je peux me barrer moi. Mais attends, je fais un air chaud pour faire l'XP. Ouais. Mais je vous baise. Oh. Mais on fait de l'XP. Oh merde. Tu te prends un juste dans la gueule et tu peux plus t'enfuir. Ta mère. Oh. Attends, vas-y, Arthur, toi. Merci. C'est bon, je peux m'enfuir? Mets-toi, enfuis-toi, vas-y. Esquive le Victor! Merde! Je voulais shooter dans Victor, mais en fait, ça va exprès, je suis sorti. GG, les gars. GG! Les gens nous ont permis de l'emporter, non pas du tout. Moi, je l'ai bien fait tourner quand même. Ouais, à la fin des jeux.
T'es un tricheur, c'est tout. Non, je dis. D'accord. D'accord. C'est trage. Non, mais en vrai, ça va, je l'ai... avec mes deux fuites là que je lui ai mis, c'est. On a quand même début, toi aussi, t'as bien fait. T'as bien. Bah, au final, j'étais P2, mais il vous avait à peine effleuré depuis le début, quoi. Déjà, ça part sur une clonette amélioration, bien sûr. Il a fait un move. Bah, mais il a protégé le body blocker, tu sais. En fait, tu vois la petite cabane du tueur là, où t'as une palette et une fenêtre. Bah en gros Brahim il était en train de passer en dessous de la palette et moi je bodyblock le tueur à la porte où il y a la palette. Et pendant que le tueur tu sais il essaie de me passer, Brahim il lui renverse la palette sur la gueule. Du coup j'ai même pas pris de coup. Ah oui. Ça, je reviens. Vraiment c'était mais magnifique quoi, c'était la meilleure utilisation, peut-être pas non plus mais. C'était beau franchement. Bon, en vous attendant, moi je vais un peu. Marim a quitté le groupe. What the fuck? Donc, d'ailleurs, les mecs, là d'ailleurs, on n'a pas du tout respecté le scénario de film d'horreur. Hein. Là, il y a tout le monde qui s'est barré, mon gars. Easy win. Ouais. Après le mec il jouait son tueur mais tu sais il servait à peu Scary Movie mec c'est tout mec c'est tout. Ah ouais dans... non, attends non mec dans Scary Movie je suis désolé il y a qu'une seule personne qui survit à la fin. Tous les autres ils se font tuer. C'est vrai. Non, je parle du truc qui était plus un truc genre rigolo que voilà. Ouais, je crois que moi j'avais la blague autour du film à petit budget. Qui du coup ils avaient. Je pense Scary Movie le mec il se prend toujours une bagnole à la fin déjà donc. Ouais, bon, on lance pas. Bah, en fait, je comprends pas pourquoi Brahim a quitté. En fait. Ça t'a bug, Brahim, c'est bien. Ah non, je crois que Brahim n'a plus de batterie. Il part bouffer. C'est possible. Non, c'est juste que je vais manger en fait. Ah, d'accord, super. Go, lancez. Bah, du coup, les gars, vu qu'il y a plus la bande à grossin, c'est moi qui meurs en premier. Ouais, là, c'est toi qui meurs en premier. Ouais. En vrai, mec. Ça a l'air de vous arranger bizarrement. Non, pas du tout. Ok, bon bah, va te faire enculer l'asiatique. L'asiatique. Mais. C'est pas l'asiatique. Pour être méchant. Je suis pas asiatique. Je parle du perso. Ah non, c'est un mexicain, ça. Oui, voilà, c'est un mexicain. Donc, il est encore plus bas, encore gros, il est encore plus haut dans la liste de ceux qui meurent en premier. Non, en vrai, je. C'est plus un américain en vrai. Oh putain, une Claudette! Dès qu'on se fait poursuivre par le tueur, on le ramène vers cette Claudette là. Bah en vrai, ça me dérange pas parce que les mecs ont des pseudos illisibles. C'est quoi son pseudo? Zarnulka! César Nulka! C'est peut-être ça. C'est quoi, on va s'arrêter là. C'est mieux que cancer de la vie. Putain. En fait, Arthur, il a créé un compte secondaire sur Pokémon Night et il a appelé cancer de la vie parce qu'il allait jouer Pokémon Chien dessus. Putain, jamais qu'il y a une quand il est jeté un truc, il est en train de marbonner. Ah, c'est Montagnard. Alors, oui, toujours, en fait, Arthur, il a changé de compte. C'est Montagnard. Qui s'appelle Arthur Daddy. Oui, j'ai compris, putain. Donc, du coup, vous voyez, Usain Bolt, bah, vous lui rajoutez une tronçonneuse et c'est lui. Usain Bolt est jaune aussi. Parce que oui, il a pas la même tête aussi, c'est ça le truc. Oui, parce que. Non, il y a une petite différence. Hein. Je suis en train de me demander. Si par exemple, si, tu fais un crucifix avec de l'eau bénite, ça fait quoi? De quoi? T'as dit quoi, Arthur? J'ai entendu crucifix. Parce que l'entité, c'est une sorte de démon. C'est une sorte d'araignée chelou qui a envie de te tromper. Mais ça c'est la forme qu'elle a. Mais elle est considérée comme un démon. Mais genre si tu sors un crucifix de l'eau bénite. L'eau bénite dans la gueule de l'entité. Ça m'étonnerait quand même que dans son monde t'aies de l'eau bénite et un crucifix tranquille. Hein.
prêt, peut-être que tu peux essayer de faire un coup décisif avec de l'eau bénite pendant que t'es sur un après, prêt. Après, peut-être que si t'avais des compétences de prêtre, tu essaies de trouver de l'eau et tu l'as béni et après, t'as de l'eau bénie et tu la jettes dans la gueule de l'entité. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement, je pense que s'il y avait un prêtre dans une game de Dead by Daylight, il spawnerait sur un crochet, je sais pas pourquoi. Je dis ça au hasard après. What? Mais c'est où tu reviens déjà vers nous? On va pas vers là. Y'a un montagnard qui arrive avec une tronçonneuse géante, c'est normal. Non, t'inquiète, c'est normal. Je crois qu'il fait. Attends. Je crois qu'il nous a pas vu en fait. Je sais, les gars, il nous parle en morse avec sa tronçonneuse. Mais pourquoi il est avec moi? Bah, parce que en fait, il est avec moi. Ah, mais il était sur vous! À quel moment il s'est tapé sur moi? Bah, je sais pas. Bah, en fait, il était derrière le bâtiment. Enfin, il était dans le bâtiment, mais il est pas venu vers nous. Mec, tu l'as, il est tellement rapide, faut pas t'étonner s'il arrive sur toi en moins de deux. J'avoue, à tout moment, il fait un deux. Il marque une seconde à se mettre. Pas contre vous, mais je sais qu'il arrive. Parce que monsieur, enfin madame Colette numéro 2 a pris un objet nommé parenté. Pas un objet, un. Pas un objet, un. Ça c'est moi, ça, qui est pas moi. What? D'où il touche là le mec? Quoi, t'as parenté toi? Depuis le début du jeu, oui. What? Super, bah les gars, on peut aller libérer l'autre maintenant. Quoi, what? Bah il l'a défoncé. C'est normal, c'est comme on appelle ça un coup de tronçonneuse en pleine gueule. En plein dans la gueule. Toi, je t'aime pas, toi. Ouais, gars, je vais prendre la gueule. Alors, il arrive vers quelqu'un. Je crois que c'est plutôt toi, Kylian. Ok, sur moi, c'est bon. Voilà, je voulais qu'il prenne l'aggro. Je voulais prendre l'aggro justement. Non, Kylian, ne me dis pas que tu vas ramener dans le bâtiment, s'il te plaît. Eh bien, sûr que si. Je le ramène dans moi, dans le déco. Alors, non. Quoi? Quoi? Pas? Quoi? Kylian est actuellement blessé. J'ai pas de palette, bordel, les gars, vous avez tout lâché ou quoi? Mais personne a. Mec, personne Arthur il s'est fait direct éclater. L'autre il s'est fait direct éclater. Mec, c'est juste que t'as pas de palette en fait. Viens sur moi, il me pète. T'es là, Arthur, il a l'autre bout de la main. Alors, je suis à côté de lui. Ah, d'accord, bon bah en fait. Bon, les gars, j'ai pas le choix d'aller vers le gros bâtiment parce que je. Ah, j'en ai une ici de palette. Il servira de bouclier humain. Oh, qu'elle est safe celle-ci, je peux la. Ça va ton orteil, mon pote? Ton orteil. Putain, viens venir nous, gros bâtard! Ah, bah écoute, ta gueule en fait, j'en ai rien à foutre moi. Non, mais je parle du montagnard, tu parles pas de toi. Ah, parce qu'il est encore derrière toi? Ah, bah non plus maintenant. Non, moi j'ai vu passer Kylian, mais plus le montagnard. N'empêche, j'ai aussi quand même à faire une chaise aussi longue que les vôtres réunis. Hein. Bon, il arrive en fureur. Le tueur, il m'aime pas, j'ai l'impression. Il pue la merde! Ou plutôt l'inverse, le tueur il m'adore et du coup il me tue jamais. Sauf là au début de la game. Oh putain, fils de. Il m'a pas vu. Non, mais il m'a pas vu. Il m'a vu. Mais il est con l'autiste, mais pas en dessous de la palette. Mais quel gros débit de merde. La palette. Ah non. Ah si, putain, t'aurais pu. Mec, il est passé sous la palette, frère. La vie t'aurait pu. Vas-y, Ken, c'est le moment. Je te reste. Merci. J'ai peur. Ah, bah ah merde! Ça, tu peux vraiment laisser une occasion d'accrocher l'autre. C'était un peu con ça. Oui, bah écoute, tu as niqué sa mère. Eh putain! Oh putain beaucoup, de merde! Je crois qu'il y a un totem là. What? Mais tu te fous de ma gueule! Menzo, en plus, t'avais sur la réserve. Pourquoi tu vas pas essayer de mettre un coup en vrai? Ah, j'avais sur la réserve. Mais non. Ah oui, putain, c'est vrai que tu sur. Oui, en fait, j'ai pas l'habitude de. T'as 2 secondes où t'es invincible. Non mais elle se fout de ma gueule. Mais elle, vraiment la merde. On a fait 0 générateur les gars parce que depuis tout à l'heure là on se fait juste enchaîner comme des on, comme des cons. Bah je suis en train de faire un gène en fait. C'est qu'un clé. Mais mec il revient vers moi mais il a aucune crasse de fils de nazi. Du coup ici quand t'as bientôt terminé le générateur. Bon ça va, tu veux vraiment pas te faire soigner Arthur ou. Ah si oui. C'est quoi? Je vais chercher la cave et je vais être dans. Aucune race, putain, montagnard de merde. Aucune race. D'ailleurs, je pense qu'on est passé à côté de la cave, justement. Oh
Elle était pas dans la maison. Ah non, elle est peut-être. Elle est dans le bâtiment principal. Mais vous êtes en train de soigner l'autre ou pas du tout? De quoi? Ah non, pas du tout. Ah non, pas ta réponse. J'ai pas compris la question. Bah l'autre, Anthony, la grosse victime de tout à l'heure là. Ah, bah il est où? Là, il est accroché. Attends, il va mourir. Attends, bientôt terminé ici, Arthur, donc on va le faire. Ah, bah il y en a un autre qui vient de se terminer, c'est bien. J'ai le temps, range la tronçonneuse. Par contre, j'ai le tueur aussi. Je suis en train de faire la gel dans la. Dans la grande maison là où il y a la cave. Pas la grande maison. Purifying totem. Il a vraiment pas vu là. Non, il fait semblant. Non, il m'a vraiment pas vu, d'accord. Bon, bah je prends. Hein. Merde, il arrive vers moi. Merde, ok, bah attends, j'arrive. Oh non, il m'a vu! Mais putain! Mais pourquoi tu prends tout le temps un putain de casier? C'est de la merde! Mais non, mais parce que là, mec, il a juste de la chance, parce qu'en fait, il y a un frisson, à un moment, il s'est un peu enlevé, du coup, je me suis dit, il est. En fait, parce que. En fait, je me suis dit que c'est le frisson, c'était à cause de toi, vu que t'étais en train de le faire balade, tu vois. Mais au final, du coup, j'ai pas eu le temps d'aller dans le casier en marchant, putain! Ah, mais il campe. Il campe, parce que là, en vrai, mec, c'est un montagnard, tente même pas, hein. Mais mec, y'a aucune logique dans ces actions. Putain, mais en plus, j'allais faire le gène. Ouais, il campe un peu Enzo, ouais. Mais par contre, y'a vraiment aucune logique dans ces actions, je comprends rien, vas-y, je le fais sortir. Vas-y, c'est ta chance, toi, Ken. Enzo, tu n'oublies pas, il est sur la réserve, hein. Ok. Arthur, t'essaies même pas de libérer Enzo, c'est à moi de le faire, hein. On the reserve. Je crois qu'il est un peu derrière. Mardi, il est trop nul. Enzo, normalement, t'as la jauge à droite en jaune. Je le vois, je le vois. Termine. Oh, il m'a raté. Ok, il est derrière Arthur là. Arthur, il est en train de le baiser là. Alors. Ma moitié. J'ai pas du tout le temps. Sauve-moi. Oh, mec, ah merde, putain, il a. Le spam! Allez! Même quand je te touche, Enzo, en fait. Non, bien, couche à côté. TG? En fait, je vais même plus me débattre, ça sert à rien. Merde, ça c'est très problématique. Tu sais que ça c'est très problématique. Enzo, c'est ta mère. Merde, je pensais que c'était une palette, non? On va mourir dans d'atroces souffrances! T'inquiète, c'est un mauvais move là, on va mettre petit bloc comme des gros. Voilà, maintenant tu te démerdes sans moi. Ça va, vous voulez du popcorn en plus? Vas-y Arthur, mais quoi? Tu peux te faire frapper tranquillement. Putain de cheater de merde! Arthur, il va aller mettre un coup de boule au tueur. Genre éclaté, t'es un cheater de merde qui va baiser. Là, tu vois, rentre à la jauge à droite, donc fais attention quand même. Vas-y, viens vers moi, on va soigner là-bas, on va faire le gène. T'as encore envie que je te touche? D'accord. D'accord. Non, dégage, moi en premier. Toi, tu fais du bruit là. Mais frérot, moi je suis tranquille là, Ah non. Je suis P0, mais. Ok, c'est vraiment la merde là. Ouais, bah ça va. Ah, je suis dans la carte. Encore quoi, j'ai tranquille ou bilou, mais. Là, c'est vraiment la merde. Pourquoi? Parce que là. Arthur, je pense qu'il va venir vers nous là. Je pense qu'il va direct vers nous. Attends, je te dis si j'ai pas. Ça, je dis rien, mais Enzo, t'es un peu mort là, non? Moi, pourquoi? Non, t'as pas du tout été accroché deux fois. Bah, si, forcément. Comment on s'est écarté quand il a mis le prison? Je me casse. Par contre, Yann, c'est quand tu prends des coups à la place de nous? Bah, mec, j'ai fait au moins 5 fois, ferme ta gueule. Non, parce que t'as pas été accroché en fait. Ah, mais il prend les coups, mais après il arrive à survivre. Ah, voilà, donc si je comprends bien, moi quand je me fais pas accrocher, vous m'insultez. Par contre, quand c'est Kylian, ça passe. J'avoue. Tranquille. Kylian, t'es une pute. Voilà, comme ça au moins ça équilibre. Enzo, t'as intérêt à faire des générateurs. Je suis en train de faire le gène qu'on était en train de faire. Vite fait. Y'a aucune logique dans ces actions. Je comprends rien ce qu'il fait. Qui le montagnard? Ouais. Tu regardes ma cam là, Arthur, c'est ça? Ouais. Arthur, il va dire, mais qu'est-ce qu'il branche? Là, ouais. J'ai le temps. Attends, j'ai full QTE là en plus. Et là, il est devant toi. À chaque fois, j'oublie ce putain de crochet là. Ah merde, par contre, j'ai plus la fenêtre là. Ah, elle est bloquée?
Allez, bloqué. Ouais, je fous la... Non, même pas que tu ramènes vers moi, mec. Non, non, je suis encore sur la chaque. C'est lui qui a dû... T'étais à combien dans le générateur, là? S'il me voit, Kylian, je te déglingue. J'ai la grosse chatte. J'ai la chatte, Attends, j'ai une boîte à outils. Donc, à la limite, je peux peut-être tenter, tu vois, d'en faire un en deux. Là, il va me voir, c'est sûr, parce qu'il va arriver par la droite. Il va me voir. Putain, il m'a vu. Kylian, merde. Mais mec, je peux pas contrôler le tueur à sa place, tu vois. Je peux pas le tenir en laisse et lui dire, allez, vas-y, poursuis-moi, frérot, poursuis-moi. Je suis ta pute maintenant, je suis ta pute. Je peux pas lui faire ça, mais. Je suis ta pute. Il est où? Ah, il est là. Hop là. Alors, ça sert à rien, Zo. Je vais le faire tourner. Merde, putain, mais pourquoi j'ai dit ça? Dédard. Oh, mais quel fils de, mais d'où? T'as le temps, mec. Fous ma gueule, hein. Bah ouais, en vrai, ouais. Mais écoute, putain! Au cas où que t'arrives à te libérer, même si franchement j'ai pas vraiment d'espoir. Mais mec, je fais un sprint pour aller plus vite. Et l'autre gros connard, lui il a de la pure chance. Il charge un coup, il arrive à me taper. Nique ta mère! Bon, l'attrape alors, allez, ça, j'en ai marre des tueurs qui ne se suivent pas leur putain de victime parce que c'est juste des grosses merdes. Qui abandonne comme des lâches. Non, non, en même temps, mec, t'as vu le spot de loop que j'avais aussi? J'avais même pas besoin de poser la palette pour le faire perdre masse de temps. Ouais. Et merde! Il a fermé la trappe? Bah, regarde la grosse barre en haut, ouais. Bah, Kylian, technique, hein. Bah, je vais tenter, ouais. Yo, bye. Quelqu'un me move, j'ai hâte les droits. Oui. Ah, bah, on va pouvoir faire du. Ah, problème. Qui a demandé? Hello. Non mais flemme, t'es bon. Et bonsoir. Je crois qu'il arrive vers toi là. Ah bon, à droite, à droite. Ah t'es mort, il t'a vu. Allez, mec, putain, allez. Il est venu au pire moment. Mais là, juste envie de te dire, en fait, essaye de le brain d'une certaine manière quelconque. Ah, en plus, y'avait personne, je suis pas là. Ah, non, attends, c'était pas personne, c'était un truc qui est écrit pour chasse, non? Je sais pas. Bon, bah, au revoir, Kylian. Bon, bah, écoute, t'es baisé à fond, hein. Par contre, il m'a pas accroché une fois. Donc, j'en ai rien à foutre, pour moi, c'est quand même une victoire. Quelle grosse merde! J'ai quand même bien fait tourner, hein. Ouais, j'ai pas envie de manger le repas. Je reviens. Il est en train de me narguer alors que la seule fois il m'a mis à terre, c'est quand même grâce à personne échappe à la main. Je tiens à le dire. Vamos à la playa, mon pote. Du coup, ça part en game perso, c'est ça? Intact, argent, porteur de lumière, or, évadé, or, bienveillant, or. J'ai tout niqué. Ou pas. Il y avait un moment où j'avais vraiment tout niqué, j'avais genre fou l'écarlate de la mort. J'avais niqué tout le monde. Allez, Ando, du coup, il va dire. Vas-y, dis. Merci pour le vin. Ah non, d'accord, j'ai pas vu. C'est quoi ce mode? J'arrive pas à le voir de loin parce que je suis devant. Mais en fait, non, en fait, c'est parce qu'il a envoyé un message sur le chat, mais par contre, j'arrive pas à voir les emotes que t'as mis, pardon. Quel t'as eu, c'est vrai que t'es en stream, toi, j'avais oublié. Ouais, je tue. En gros, Kian, j'ai. C'est quoi les emotes Oura de Yanadu, tu vois? J'ai juste un petit gars avec une crêpe sur la tête et qui lève les mains, qui en mode. Attends, mais Ken, il est là là? Oui, je suis là. Kylian, tu m'invites? Mais Kylian, on t'a invité trop. Ah, what? Mais je suis là, connard. Ah. En fait, le gars, il est arrivé de genre de nulle part. Ah, en même temps, frérot, y a une porte d'entrée là sur ce putain de l'eau. Mais Willow, t'es pas con, hein, par contre. C'est ça, j'y pop d'un coup, hein. C'est pas grave, il y a quelques chez toi, tu vois là. Ouais. Mais Brahim, tu joues là? Là, bah, il y a Brahim, moi, il vient de Choco, je l'ai invité. Et Willow, je le vois toujours pas, Willow. Et Willow, je le vois toujours pas, Willow.
Ouais, il m'a rejoint le groupe. You on fire! Mais qu'est-ce que tu... Pourquoi t'as guidé? Parce que c'est une partie perso. T'as vu ou pas que j'ai mis... D'accord, merci. Bah les gars, game survivant. Oh, Arthur, quoi, c'est marrant les parties perso. Bah non. Pourquoi? Sauf quand c'est game qui joue. Mais personne ne peut inviter là. Mais Willow t'es pas co. Je suis co, là, je suis en tueur avec le face. Mais mec. Regarde mon live, tu vas voir, il y a Kirito en ligne. Je meurs co. Ouais, c'est un problème, ça, c'est un petit bug ça. Ça va, hein? C'est quoi cette voix? Enzo? Ouais. Un truc derrière toi, fais gaffe. Oh putain. Raimgon, il s'amuse avec ses emotes. Et rien de mieux à faire pour attendre. On passe quoi? Je sais pas, moi. Mais ce que je peux te dire, mec, c'est que là pour l'instant, mon cerveau est comme ça pour l'instant. Enfin, vrai, autant partir en survivant, non, parce qu'il y a Turiki. Mais là pour l'instant, mon cerveau il est comme ça, mec. Bon, du coup, qui joue pas là? Je joue moi. Ah, ouais, je me touche, c'est déjà pas mal. Quoi? Sinon, Yann. Tu veux ça dans la vraie vie ou pas? Pas sûr, du coup, c'est bien de jouer perso là. Est-ce que tu veux pas dans la vraie vie? Ouais. Regarde l'image que j'ai envoyé, tu me dis si tu mets ça dans la vraie vie. Du coup, je prends quel tueur? Mais c'est quoi le truc à gauche? Une imprimante qui jette des spaghettis. Ah, d'accord. Très intéressant, Bram. T'as mis un ou quoi? Non. Non. Tu viens de faire bouffer le truc tout seul. Allez, les gars, il y a une emote pyramide head. J'adore les Mars. Il y a une emote pyramide head. Oh putain. D'un coup, je baisse les yeux et je vois l'écran. Et là, je vois un gros Dorito. Tu peux jouer l'arpier. Non. C'était violent. J'ai déjà fait hier, maintenant tu casses pas les couilles. T'aimes pas l'arpier, Kyo? Mais je sais pas, j'aime pas trop le fait de voir poser des pièges, ça me casse les couilles en fait. Le mec il dit ça, il a bien joué le trappeur. Ouais. Mais en fait, le fait de poser les pièges, tu vois, ça fait que faire trop de temps. Mais j'aime bien le trappeur quand même, mais je le joue pas parce que ça prend trop de temps en fait de poser ses pièges. Du coup, généralement, t'as 2-3 générateurs qui pop et t'es baisé. Attendez, je reviens. Ah, bah y'a Eloi qui va jouer avec vous. Ah, bah nice. Il vient de secours. Bon, bah. Au revoir, Arthur. Du coup, dommage, c'est en même temps que moi. Oui, y'a Phoenix. Non, mais vas-y là, juste parce qu'il m'appelle le petit plante. Oula. T'es une vénère, c'est moi là. Phoenix a appelé Arthur et du coup Arthur a totalement bugué. Au pire, tu veux voir des exemples de tueurs? Viens dans la partie personnalisée, tu te mets en spectateur. Phoenix il est là mais il est pas là. Non mais je peux être en personnalisé, je vais le remettre. Là il vient de m'appeler, je sais pas pourquoi. Vous vous rappelez ce que j'ai dit hier à Phoenix? Tunnel, non. Je lui montrer ce que c'est de vraiment tunnel. Putain, j'avoue, tunnel. Ah oui, mais putain, je suis con. Attends, j'étais continue en train de faire un type pour dire à Phoenix de venir, mais il était déjà en fait. Je m'éprie et je reviens. Les gars, moi j'ai le temps de faire game. Après, je dois y aller. Bah, très bien, on va en profiter. Bah, Arthur, tu me dis quand je dois y aller. Arthur. Ouais.
Gros, tu me montres même pas quoi. Je viens pas pour me faire chier si j'ai plein de défis ou de quêtes à faire et points de sang. Tu viens pas pour tunnel. Fais ce que tu fais d'habitude en partie perso, c'est très bien. T'es giga réglo, giga cool. D'accord, mais à condition quand même que t'arrêtes de refuser de pénal au moindre double coup dans la gueule. J'ai pas c'est pas au moins c'est au crochet. Au contraire, le coup c'est pas le ça. Le double coup ça compte pas, le triple coup ça compte. Ah, c'est bon. Remettre prêt. Attends. Non. Ami Arthur. Non, y'a pas Arthur. Il vient de rejoindre le groupe. Bon, on était prêt là ou pas. En fait, il est là, mais il est pas là. Alors les mecs, le seul truc que j'ai pris par contre, j'ai pris 0 là donc 0 tête. J'ai pris juste le Memento Mori parce que je voulais voir celui du mon perso là. J'ai envie de le voir, c'est tout. Ok, il a... Non, bah, on m'en fout, donc, hein. Non. Bah, Brahim, il y a qui que j'ai eu envie de jouer beaucoup hier? Montagnard. Il veut voir le momento de Montagnard. Enculé. Ah, Arculé, tu veux que je t'aide un peu en tant que toi qui es spectateur? Mais est-ce que quand t'es spectateur, tu vois les effets que te font les perks? Oui, tu vois. Tu vois tout ce que le mec voit. Je cherche mes perks, mais j'arrive pas à les trouver. Pourquoi je vois deux perks? En spectateur, il peut même regarder le tueur, si tu veux, tu vois, donc... Ouais, genre, ça allait être Hugo, t'as personne qui le prend. Ouais, Enzo, ça sort direct la clé, là. Voilà, il est là, lui. Ah, non, je vois pas le coup. S'il te plaît, est-ce qu'il joue personne n'échappe à la mort? Laisse pour moi. Il prend la clé, en mais tu lui casses les peurs avec ça. Attends, t'as pris une clé, Enzo? Non. Oui, mais tu peux le focus, y'a pas de soucis. Mais mec, j'ai même pas la clé. Ouais. Ta main droite, y'a quoi dans la main? Je la vois d'ici. Mouchoir. Non, mais tu peux être, c'est un pétard. Bien sûr. Ah oui, si, non, si, c'est vrai. Y'a un bug de texture. C'est la même animation. Bah ouais, mec. Bon, bah tu sais quoi. C'est le même emblème. Et surtout pas à buter de Kenji, quoi. Mais grand putain! Et Brahim qui a la carte de jeu! Ah, mais je rigole! Moi, j'ai la carte totalement! La carte est cachée dans ma lampe torche! Kyla, le truc que j'aime bien en tueur, c'est que t'as des fois où on arrive quand même, il arrive quand même à jouer fun avec lui, tu vois. C'est qu'il y en a un par rapport à la carte. À travers les marches, mais les sneakers, c'est très bon. Il y a absolument Tania. Mais on sait. C'est pas moi qui. C'est très bon, Enzo? C'est qui les sneakers pour avoir un coffre supplémentaire. Mais je préfère les Mars. C'est quoi qui était très bon, Enzo? Les sneakers, mais je préfère les Mars. Alors, au cas où, en parlant de sneakers, je viens d'en manger un et là, j'espère que je peux en manger un Kit Kat tranquille. Alors, bah, tu vois, hein. Tout dévoilé, nous entend pas. Live dégustation. Kylian. Mais il est en sourdine, Kylian, il s'émute. Par contre, ce trou du cul, il s'émute et mis en sourdine en même temps, il est un peu débile. Il aurait dû juste se mettre en sourdine. En fait, j'aurais voulu que ce soit moi qui le mette, comme ça au moins si on avait un truc à lui demander, on aurait pu lui demander instantanément. Ouais, je suis d'accord. Mais il a pas fait, donc rip. Vous lui demandez quoi? S'il a pris le mento, il a dit 5 fois qu'il peut la prendre le mento. Il a pris je suis avec la tronçonneuse. Oui, on le sait. Mais lequel de la tronçonneuse? Il a pas Leatherface. Donc c'est forcément. De toute façon, on sait que c'est mon parce que Brahim l'a déjà dit avant, mais c'est pas grave. Avec la tronçonneuse, j'ai dit 1000 fois qu'il allait jouer Montagnard, mais c'est pas grave. Avec la tronçonneuse, je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit, tu l'as dit bien avant. C'est bon, on va débattre encore longtemps là-dessus. Sur qui a dit quoi quand? Bah, en fait, avant que tu viennes parler, bah, en fait, on avait un peu arrêté en fait. Pas compris. Mais c'est pas grave, moi je joue, allez hop. Tu l'as prouvé pour qu'on me fasse chier, de toute façon. Hein, Arthur, aide-moi s'il te plaît. Quoi? Arthur, il m'aide pas. Arthur, tu nous entends ou pas au moins? Est-ce que tu parles? Arthur, oui, il va s'en battre les steaks, frère. Je demande la parole du Seigneur. D'Arthur plutôt. Mais Arthur, attends. Ah oui, il est là, mais il ne parle pas. Attends, je mentionne Arthur. @Furycat. Arthur va faire quoi? Ouais, vers quoi? C'est exactement ça. Exagéré. C'est exactement ça. C'est ça. Putain, le temps de chargement, bien évidemment. Oh putain! Putain, mais il faudra chaque fois que je me plante. Oh non! Oh merde, map. Comment ça, t'es pas du tout à côté de moi, mec? Je suis à côté de Brahim, moi, à la base. Non, mais je t'ai vu, trop du cul. Non, j'en ai à 4. Moi, j'étais à côté de Brahim. Ouais, on est tous ensemble, en fait. Je crois que tu vas être au courant. Oui, non, mais on est tous ensemble. C'est moi qui ai mis le. T'es plus proche de Brahim
Et Oulu était plus proche de Phoenix. Rien à côté, de toute façon, c'est moi qui l'aurai l'objet. Faut faire un oh, fait chier. Yeah. Bah, Kylian arrive. Kylian arrive, il est à notre droite, il est à la droite du coffre. Mais pourquoi moi, espèce de fils de choupa choups? Oui, pour pas être vulgaire. Mais t'es en train de faire un jeune ou quoi là, Enzo? Franchement, ouais. Moi? Pourquoi moi? T'es en train de faire un jeune? Oh sa mère, la grande reine des pluies qui m'a pas vu. Prends le relais, les gros, les gros. What, il m'a pas vu? Non, c'est juste qu'il a pris le relais sur moi aussi. Oh, les couilles, je suis dans un casier. Il a pris focal l'infirmière. Moi, je suis dans un casier, moi. Franchement, est-ce que ça m'étonne? Faut que je range mes livres d'école. Ah ouais? Qui fait un gène à côté sans me soigner? Là, je suis à côté, là, Brian, pour info. Qui fait le gène là à côté d'une palette? Attends, il arrive, fais gaffe! J'ai des Kit Kat là parce que je vais pas les manger maintenant en plein game. Mais what, il s'est barré? Enzo. En fait, c'est un peu grillé là, non? Ah non, c'est bon. Ça passe! T'inquiète. Viens, on continue le gène. Ouais, au câble. Peut-être qu'il a le tour rejoué pour pas l'avoir tapé. Attends, je me mets là. Ça part. Après, on va à droite, c'est celui de Willow. Viens nous aider. Alors, la suce contre le montard, si tu joues avec le objet du décor. Même pas où vous êtes. Bah, on était à droite, à ta gauche, à tout droit, voilà. On est là. Après, venez, on fait celui qui est en dessous du bâtiment, il va jamais s'en douter. Lui. Il arrive. Il arrive d'où? Il arrive. Il arrive. Oh, je suis à côté, genre il me voit pas. Deux fois qu'il passe sur moi. Ça fait deux fois. Fait deux fois, hein, deux fois, monsieur. Vas-y, éloigne-le. D'accord. je range mes livres d'école. Non, mais genre, le glitch passe. En fait, je me suis baissé. Et pour moi, dans ma vision, il a foutu le coup en l'air. Willow, c'est ton moment. Okay, Willow, oh, sa mère. Tant qu'un coup. Si bro, Willow. Willow, vas-y, tant qu'un coup, c'est bon. C'est barré. Willow. Mais Willow. Fait, mais Willow. Venez me déo, il osera jamais être une âme. Mais what the... Mais il a la fourche. Mais ça, c'est à cause de Willow. Mais Willow, et... Tu forces, Willow, okay. Oui, Willow, oh, putain, Willow, karma. Merde. C'est bon, ça, Willow, c'est bon. La merde, les casiers. Ouais, Phoenix, fonce. Ouais, tranquille. Il va trucider la gorge. Et le tir. Mais non, ça passe. Willow, mon frère. What? Allez, Willow. Oh, il a frappé Willow. Oh, le trou du... Ah. Mais tunnel. Tunnel, gros. Pourquoi ça... Ah non, il a accroché Willow avant. Oh, oh Willow, il a explosé. Il a rien compris, Willow. Il a explosé. Bon, bat les couilles, je suis vrai. Tunnel de merde. Oh, c'est plaisantiel, c'est pas du tunnel. Je suis en dessous d'une palette, moi, pour info. Le Brahim, lui, il est au calme, tu sais. GG, Brahim. Enfin, GG, bon, les mecs, je vais vous laisser les trois réanimations. Je viens de voir un totem, les gars. J'ai tous ces totems, il y en a un. Oh putain, il y a. Mais pourquoi il enlevoque lui? Il y en a un à gauche et un à droite, là où il le rampe. Sors-moi de ce crochet ou je te bute. Mais pourquoi il accroche pas les deux autres cons? Mais parce qu'il a dit, je vous laisse des vies parce que là on était. C'est fait éclater là. Mais si jamais. En même temps, mec, je me suis fait griller à cause de Willow. Je suis en train de le soigner, connard. Mais qu'est-ce que tu. Je l'encule. Regarde, tu vois l'arbre là-bas que je pointe? Derrière, il y a un totem. Tu t'en chargeras au pied du totem. Super. Moi? En fait, je crois qu'on oublie qu'il nous a enculé en deux secondes. Hein. Mais mec, je suis mort à cause de toi? Justement, c'est ça qui est bien. Et moi, je suis. Non, t'es un enfoiré. Bon alors, il y a un totem, t'as dit? J'ai cherché en fait. Eh bah oui, t'as pas vu l'arbre? C'est dans les. Voilà, là où t'es, il doit y être, à droite, je pense, derrière. Ouais, tranquille. Ah, bah, s'il va de ce côté, moi je vais de l'autre côté. Ah, il est là. Fais gaffe, il te voit.
Non, il est pas sur moi là. Ah, puis regarde dans ta direction et que il est peut-être en train d'arriver vers la salle. Il peut voir les personnes qui sont en train de faire ses totems. Oh là là, c'est passé. Je me suis mis dans un casier devant lui. J'ai purifié un totem, mais je sais pas si ça arrête vraiment. Il est encore sur moi. Tunnel de merde. Phoenix. Mais il m'emmerde, moi l'encul. Mais vas-y, fais-le tourner, Willow, il est en train de faire le gène là. Mais dis pas que tu l'as amené vers Willow. Ah non, c'est bon. Cette technique. Les gars, aidez-moi. 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 Pas vraiment là. C'est sûr. Mais pars-toi, Willow. Est-ce que t'as fait le totem ou pas, Enzo? Aïe. Oui, je l'ai fait. Enzo, oui, tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. Il était en feu ou il était pas en feu? Il était pas enchanté. Ok, d'accord. Je suis en train de faire un gène au fond. Oh, dans la cave, mais non. J'aime bien comment il m'a même pas touché une fois pendant qu'on était en tueur. Est-ce que vous voulez que j'attire sur moi ou pas? Non, là, parce qu'il est sur moi. Un totem à côté et un totem encore long. Un totem d'un côté, un totem de l'autre. Bon, il est déjà plus personne échappé à la mort, hein, c'est sûr. Parce que on a fait 3 totems non enchantés. Ah, mais ça pue la merde, ton droit. Encore tout totem. Mais merde, putain, mais vas-y, je pensais que c'était un rocher tout seul, j'avais pas vu qu'il y avait 2 rochers. C'est bien fait, c'est en plus, il y a un espace entre les 2 rochers, fous ma gueule. Comment j'étais bloqué? Ouais, mais tu décroches. Quoi, il y avait une palette là, mais mec, elle était invisible, je la voyais même pas. Ah non, t'as soigné Willow, vu que là il va juste te défoncer, fallait que tu sortes direct. J'ai qu'un putain de totem ici. Viens me faire un gène, s'il vous plaît. Bah, l'un de vous. Attends, putain, t'arrives déjà ce gros fils de fioc? Alors, c'était un peu violent ça. Il a vocation à l'infirmière? Je crois peut-être. Oh, il est con! Il y avait un crochet juste derrière lui. Oh, il est con! Oh, la révélation! Oh, il est con! Incroyable! Est-ce que quelqu'un est en train de faire le gène du bas? Essaye de te libérer. Je vais aller libérer Brian. Ça marche. Et que t'as sur la réserve? Non. Moi par contre je l'ai moi. Attends, je vais essayer de venir te sauver Brian, j'ai sur la réserve moi. Je le vois, il est près de Brian. Et t'as vu hein. Juste je me soigne Brian mais j'arrive. Non, il m'a pas vu, c'est incroyable, il m'a pas vu. J'ai bougé en plus. Oui, il est en train de se barrer, je vais sauver Brian. Non. Oui. Mais t'as sur la réserve ou pas? Oui, t'inquiète. Il l'a pas du tout, c'est juste parce que du coup il est à côté de moi et qu'il voulait me sauver, si tu veux savoir. Il s'est cassé loin, Kylian. Non, il arrive vers vous là. Mais non. Ah, de toute façon, au courant, il y a un congélateur qui dit qu'il peut foncer. Alors, loin, bonjour, Miuchi. Miuchi, ça mort. Pardon. Désolé, ça sonnait bien. Il est tout le temps sur nous. Tu sais, que le truc me dit déjà nouveau gladiateur, enfin nouveau follower et tout, mais. Il n'y a pas encore eu de message comme quoi il. Ah oui, il voit sur ce coup-là, il a un peu bugué, je crois. En tout cas, Miuchi, vu que j'ai 5 viewers, pardon. Les gars, j'imagine que. Regarde, Enzo, t'as la clé? Oui! J'ai trouvé la trappe! Where is the. Ah! Elle est. Tu vois où était Brahim? Non! Tu vas à droite de où était Brahim? Ah! Je vais te tirer! Elle est où? Montre, Phoenix, montre! Dans le bâtiment là, tu vois. Come back, little Redshift! Come back! Montre-moi! Putain, mais quel gros fils de fiac! What? Les gars, c'était pas un trap! J'ai mal aux oreilles! Je vais avoir pas un trap! C'est normal! Ah, attends, il faut me comprendre, c'était un peu pression niveau 1 milliard là. Quand t'as le mec avec la tronçonneuse qui est juste derrière moi, et qui va trancher la. J'arrête de t'aider. Mais il me quand? Ah non, il me dit non. C'est pas enculé quoi. Pardon, c'est un peu violent. Tu cries salement, t'as vu? Enzo, j'arrive. Le pire, c'est moi qui crie le plus généralement, donc pas de peau.
Fais tes tests, tu vas bien finir par se barrer. Mais, oh non, mais c'est vraiment un fils de. Il me campe parce qu'il sait que j'ai la clé, ce gros bâtard. Mais quel fils de merde. C'est bien, Kylian. T'es une merde, Kylian. T'es une merde. Brahim, tu te distrais. Il te campe parce que t'as une clé, je pense. Oui, non, mais c'est pour ça. Il me campe juste parce que j'ai une clé. Non, mais enculé ta race. Bon, bah les couilles. Après, Phoenix, tu te caches. Tu cherches, tu viens me chercher la clé sur mon cadavre et tu ouvres la trappe. J'en ai rien à foutre, tu te barres. Aïe, mais ta mort. Ah, mais si quelqu'un. Mais. Ah ouais, mais non, j'allais dire, à la limite, Brahim aurait pu me sauver avec sur la réserve, mais pas vraiment, en fait. Bah en fait, non, je suis un blessé. Ouais, parce que t'es blessé, du coup, je pourrais pas me sauver, putain. J'arrive à te sauver, Enzo. Alors, c'est peut-être un peu tard pour dire ça, non? T'as pris la clé ou pas? Ouais, ouais, t'inquiète. Ok, bah casse-toi. Putain, elle a pas pris la clé, mais fous de ma gueule. Brahim, prends la clé, j'en ai rien à foutre, Brahim, je vais te barrer avec la clé. Il était en train de... J'étais en train de... J'ai pas besoin d'avoir la clé, moi, je m'en bats les couilles, j'ai déjà une clé. Ah, t'as trouvé une clé pendant le truc? Non, en fait, je brain Kylian à chaque fois, je trouve qu'elle me focus, donc ce que je fais, c'est que je prends un as dans la manche et je prends l'as. Bah attends, Phoenix, dis où est la trappe à Brahim? Parce que tu savais où elle était, la trappe. Et merde. Super, j'adore cette go. Il va me memento, ce chien. C'est mérité. Putain, je le sais, mais... Putain, mais non. C'est mérité, mais comment ça c'est mérité? Non, c'est pas mérité, mais... Je veux dire, en gros, c'est pas étonnant, pardon, c'est ça que je voulais dire. Mais dis où est la trappe à Abraham? Je te dis que c'est pour la quatrième fois. Je l'ai il pas a confondu à la trappe. Ah, mais c'est un fils d'eux, il a menti en plus. Mais non, non, par contre, j'ai vraiment pas menti, hein. Je l'ai vraiment cru qu'elle était là. D'accord. Bon, bah, rip. En fait, vraiment, en fait, on est passé en courant rapidement et pour moi, c'était trop la trappe quoi. C'était trop la trappe. Mais le problème, c'est que je crois que Willow s'est un peu trop caché dans la game. Toi, Phoenix, je sais pas pourquoi, il y avait des moments où tu. Oui, il fallait enfin, que je genre, j'ai l'impression que t'étais tout le temps avec. Alors, c'est pas contre toi, Brahim, mais je crois qu'il t'a. Non, il t'a pas vu. T'a pas vu, ce que je voulais dire. Comme d'hab. Ah, t'as trouvé le totem que je cherchais. Ah, mais la trappe est peut-être dans le bâtiment principal, non? Genre en dessous, tu sais, dans les souterrains. Mais le problème, c'est que là, il est en train d'y aller donc. Et voilà, voilà, donc le problème c'est qu'il était en train d'y aller et qu'il a trouvé. Pourquoi j'ai raison comme ça? Non, il t'a pas vu là. Non, il t'a pas vu. Je crois qu'il va aller vers la porte de gauche. Mec, va vers la porte de gauche! Mais non, mec, qu'est-ce que tu branles? Les gars, je peux y aller, je vous dis à plus. Elle est où la trappe, tu sais ou pas? Non, la trappe, elle est en dessous. Pour moi, elle est en dessous, pour moi, elle est en dessous. Pour moi, elle est dans les souterrains. Mais il a fermé la trappe. Mais oui, mais il a une clé, Brahim. Pour moi, elle est dans le souterrain parce qu'il était parti dans le bâtiment principal. Sinon, c'est pas logique. Sinon, c'est du foutage de gueule. Peut-être au centre, non? Il me paraît très difficile qu'il soit au centre, mais c'est pas grave. Mais t'es là, il te voit au-dessus. Ah putain, mais wesh, mais... On est d'accord qu'il était parti dans le bâtiment principal et qu'il a trouvé la trappe. Je sais pas si c'est le bâtiment principal en vrai. Ah, je pense qu'il. Ah, peut-être à côté du bâtiment principal, Brahim, y'a moyen. Et merde. C'est ce qui s'appelle. Se faire niquer. Bon bah au revoir, hein. Content de t'avoir connu, Brahim. Oh non, elle était là! Putain, t'as pas de peau, Brahim. Hein. Qu'est-ce qu'il branle? Ah, il sait que t'as un déficit, il t'attend que t'as ta putain de clé là. Hein? Hein? Tu la sors toute ta clé, Brahim. Mec, il a pas de clé, qu'est-ce que je me raconte? Je la vois dans sa main, ferme ta gueule. Non, t'as la clé. Laisse-le s'échapper, laisse-le s'échapper. Cette clé, je la sors Benzo. Moi, j'ai pas vu. J'avoue, laisse-le s'échapper, frère. Kylian, laisse-le. Allez, vas-y, on va laisser se barrer. Il a réussi à survivre jusqu'ici. Vas-y, Brahim. Elle était où en fait la trappe? J'ai pas compris. À ta gauche, voilà, ici. Ah, elle était là. Putain, mais elle est chiante. Vraiment, mec, je prenais un tout petit peu plus de temps à te choper. Tu t'enfuis. Tu veux la vérité ou pas, Kylian? Phoenix, à un moment, elle a fait les gars, j'ai trouvé la trappe. En fait, elle a cru que c'était une trappe, mais elle est confondue avec autre chose. Bah, le joueur. Le joueur. Putain. Bah, écoute, j'ai quand même bien fait de tuer Enzo.
Hein, toi, t'es vraiment. En plus, je suis campé, mec. T'es vraiment une sale. Connard, t'as une clé. T'es encore. Mais mec, j'ai même pas. Non, mais là, c'est foutage de gueule. Non, toi, tu fous de ma gueule. En plus, la trappe était pas loin de toi quand t'étais accroché. Mais mec, je savais même pas qu'elle était là. Je savais même pas qu'elle était là. Mais même quand tu sais, même quand tu sais pas, gros, t'as. Mais mec, me campe pas. Ça se fait pas, gros. C'est un gros avantage, hein. En plus, je dis, me campe pas. Tu veux cette game, Ian. Déjà, j'ai ni pris ni perdu. Tu peux au moins être un peu indulgent toi aussi, pas prendre deux clés, quoi. Mais mec, ça va, j'avais même pas essayé pour moi, mec. C'est une clé qui limite sert presque à rien. Non, mais mec, à partir du moment où tu trouves la trappe, c'est instant win, hein. Bah, en vrai, pas vraiment. En gros, tu peux gagner sur un énorme coup de peau en faisant fuir les deux autres mecs qui sont en vie avec toi. Donc, c'est ultra chiant la clé, hein. Le nombre de fois, mec, que je perds contre des gars 10 fois plus nuls que moi, mais qui avaient une clé, c'est rageant, je te jure. Quel est ton avis, c'est qui a le plus géré dans cette game, à ton avis, Lyon? Bah, déjà, c'est certainement pas Willow. Bah, disons que Willow qui reste dans la cave et qui se met au moment où je pose dans un autre casier, c'est. Merde, je lui ai dit de partir, c'est ça le pire. En plus, Willow qui se met memento dans une planche, ouais, c'est pas ouf, hein. Tu fais memento après à travers la planche, quoi. Ouais, c'est ça. Gamuchi, est-ce que tu as le jeu? C'est encore là, c'est encore là. Enfin, je vais rien, si tu sors à la BD, c'est généralement tu as des BD. En plus, c'était le début, je pensais que t'allais laisser m'échapper, mais non, tu m'as tué. Ah non, t'as ce mec, c'est bon, mettez-vous près, les petits. En plus, je vous ai déjà laissé vous réanimer à 3, les mecs, et oh. Oui, c'est pas faux. Mais t'es que. Attends, mec, on est d'accord que tu m'as trouvé juste parce que Willow s'enfuit dans ma direction et que toi, t'as juste traversé l'arbre et t'as contourné l'arbre et tu m'as vu. Ah oui, je t'ai vu. Je t'ai vu en position fétale derrière, je me suis dit, allez, tout le monde. Mais mec, juste pas. Super, Brahim. Mais Enzo, juste, je devais te donner produit, apparemment. Un mini achievement, ce serait le roi des tronçonnés. Moi? Ouais, mec, toi, Enzo, je crois que t'es mis KO à la tronçonneuse quasiment. Ouais, je crois. Contre le mur et avec l'arbre, là. Enfin, contre un rocher, contre. Je peux vous dire un truc. En fait, mais mec, par contre, le rocher, d'accord, enfin, j'étais bloqué alors que techniquement je pouvais passer, non? Non, c'était deux rochers vraiment très proches. Mais mec, de mon point de vue, vraiment, c'était des rochers qui étaient pas. Ils étaient pas très. Enfin, ils étaient collés, mais pas trop non plus, tu vois. Si. Non, mais non. Mais aussi le perso, frère, il sait pas se mettre sur le côté pour traverser. Il est bête, tu vois. Mais du coup, cette fois-ci, Phoenix, il m'a pas accusé de tunnel, on est d'accord. Mais il y a juste un moment, il a dit en blaguant, mais c'est en blaguant, tu vois, donc c'est. Non, il l'a pas dit. Il a intérêt. Ce genre de menace. Il avait mis une tunnel, cet enculé. Je vois. Attendez, là je suis en train de prendre mes pères parce que le jeu a décidé de me faire un gros pause. Du coup, là je vais de reprendre les pères. Oh, mais c'est défollow de la chaîne, Mewtwo. What, mais Mewtwo, frère, il est venu, il a follow, il a défollow. Fais-le unfollow. Il est venu. Ok, donc en fait, il aimait bien, mais il l'a détesté. Mais en fait, il est arrivé dès le début, il voulait. Enzo, faudrait d'ailleurs que t'as regardé la rediff que j'ai croisé en montagnard. Parce qu'en fait, je suis tombé sur des streamers tout à l'heure. Attends, mais quoi? Mais le truc me dit Mewtwo vous suit il y a 10 minutes. Mais le truc me suit même plus. Enfin, la personne me suit. Le truc, oh le mec, comme il est réveillé, il est followers. Mais d'ailleurs, c'est qui est sur mon live? T'as vu Mewtwo, t'as un truc, je sais pas si t'es encore là, mais. Y'a moi. Y'a toi, ok. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a en gros? Y'a toi, Brahim? Oui. Ok. Mais il est en petit, moi, donc je vois pas vraiment le truc. En plus, ça, je suis plus content de prendre les perks là en fait. Mais non, mais je veux dire, est-ce que tu restes quand même sur mon live? Enfin, je veux dire, parce que t'as mon live d'ouvert quoi. Enfin, tu comprends le bail. Est-ce qu'il y a la dernière personne? C'est Willow qui est venu là? Sur Twitch, sur tel ou pas? Qu'il y a Enzo là? Hein? Bah, attends, tu te rappelles le scan là que je t'avais envoyé Dragon Ball? Bah, c'est un petit peu pareil en fait, t'es juste un tout petit comme ça quoi. D'accord. Et encore, mec, je le vois même pas là parce que je suis concentré. Empêche. Bref, vas-y, prends tes perks, Jackson, tranquillement. Voilà quoi. Ok, moi je vais prendre plutôt ça. Et comme offrande, je vais vous laisser chacun une vie parce que. Parce que t'es gentil. Exactement. T'es un gentil de lancement. La vérité, ce qui m'a tué de rire, c'était quoi, Kylian? Tu es gentil, Osmar.
Mais qui m'a tué de rire, c'est que tu vois, de celui qui a survécu, pour la seule et unique raison que j'ai décroché des personnes, je me taille de l'autre côté et qu'en plus, j'étais en train de prendre une paire générateur. Ouais, le seul moment où je t'ai croisé dans la partie, c'est quand t'es venu les réanimer et quand j'ai fait un sniper sur l'autre bout de la map et que j'étais tronçonné. Par contre, du coup, c'est toi, Milo, le quatrième personne qui regarde le live, c'est ça? Je crois que c'était Phoenix, c'était à côté de moi et juste d'un coup, je vois que tu fais vers moi. C'est toi la quatrième personne qui regarde le live, c'est ça? Non, j'ai coupé ton live, moi. Ah, d'accord, super. Peut-être Draken. Draken, tu entends le mystère. Bah, parce que attends, je crois qu'en fait, ça me compte quand même. Moi, ça me compte quand même une personne, même si je suis dans le gestionnaire de stream. Parce que à des moments, ça écrit 0 alors que je suis en train de regarder et après, ça écrit 1, mais bon. Enfin, bref. Enzo, t'aurais pas mis Mento Mori qui se serait activé. Hein, Enzo? Bah, oui, pourquoi? Le jour où tu chantes, tu prends un autre front, on peut pas l'avoir, on va tous croire que tu vas trouver Memento Mori, on va faire Memento Mori activé les gars, et là un seul prix va prendre une offrande et il va déposer tout le monde. On va rien comprendre là, il va venir, il va tout le one shot, on va rien comprendre, il va faire l'offrande en fait les gars. C'était pas Memento en fait, c'était juste que tu veux one shot quoi. Un bon petit cul de tarte. On va essayer de se débrouiller avec le lance mort et d'ailleurs aussi bonjour à la personne qui est en train actuellement de regarder le live. Voilà. Tu es prié de t'abonner à la chaîne Twitch d'Enzo parce que sinon il va pas être content. Après ça se trouve ça peut être genre. En vrai c'était mieux la game que Kylian en vrai. Il a mieux géré cette fois-ci parce qu'on a réussi à faire moins de 3 gènes. En vrai c'est possible que ça soit Draken, c'est parce que Draken j'ai l'impression que dès qu'il est sur live, soit il va sur direct, soit il parle pas du tout. C'est qui tout double, tu sais? Mais en fait, c'est moi, on est obsédé par ce mec là en ce moment. Soit il parle pas du tout, soit alors il a un jeu. Et là, moi je parle pas aux gens. Mais mec, mais c'est quoi, je pourris là? Je mets ma pouverte et le truc me met une putain de comico, mais te fous ma gueule! Non mais là je demande le procès là. Je demande réparation. Ah non je sais. Ah ça c'est putain, ça fait longtemps ça. Rembourser les développeurs de Dead by Daylight. Ah du coup non, je vais te mettre en sourdine et je te démettrai en sourdine s'il y a un truc qu'on voudrait te dire. Quel à quoi? Ah super. Ça c'est ce qui s'appelle être bien en position. C'est-à-dire être à l'opposé des jets. Toi, t'es mort. T'es mort! Enfin, t'es mort. Toi, c'est une vie, bien sûr, mais t'es mort. Bon, bah, si tu cours pas. Autant s'entraîner au shoot, quoi. Hop! Donc, en gros, Kylian ou Brahim, un de vous deux va soigner Willow. Et l'autre continue de faire sa vie comme s'il était survivant normal, voilà. Voilà. Donc, la première que je vois, je le. Donc, voilà, parce que j'avais terminé ma phrase. La première que je vois, je le bute et l'autre il va. Du coup. Ta mère, la pute, kid. Pardon. C'était un peu mérité. Désolé, Kylian, quand même. Oh, bien joué. Fils de d'accord. C'est ce qui s'appelle raté. Littéralement. Mais qu'il y a. T'arrêtes d'aller haut comme ça. Tout. Hop. On m'appelle monsieur le... Putain, mais mec, ça vise la porte parce que mon joystick, du coup, il a fait un petit shoot vers la droite. Tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule, je?
Eh hey, si, trou du cul. Je vais touter, moi. Je vais touter. Attends, est-ce que je peux l'avoir de là, techniquement? On va tester ça tout de... Arrête de bouger! Bâtard! Cette situation pourrie. Ah oui, c'est vrai. Hop. Ta mère, mais je peux même pas te lâcher! Voilà. Alors, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, le premier que je vois, bah, j'essaie de le buter et l'autre, du coup, il soignera Jackson. Tout simplement. What the fuck? Voilà, comme ça, ça le mérite d'être clair, bien évidemment. Donc, monsieur Kylian, actuellement ici, en train de gigoter sur le sol, telle une loutre mort des abysses, bien évidemment. Nous dirigeons actuellement vers la salle des opérations. Putain, il y avait un loup, ça m'a fait flipper sa mère. Et bonjour Willow à toi. Je vais littéralement tarponner le cul. Alors. Ouais, j'étais comme ça toi maintenant. Oh, bonjour monsieur, bonjour. Bonjour. Bon bah Willow, tu vas soigner Kylian, hein. Voilà. Non, j'ai dit tu vas sauver Kylian, j'ai pas dit tu dégages. Alors Endo, t'as dit le premier que tu vois, t'as vu Willow avant moi et tu me frappes et tu fais un balai. Ici. Ouais, je te laisse une chance, Je cherche Kylian, je vois pas. Ah, mais ok, d'accord, j'ai compris, c'est bon. Hop, bah, je te laisse une petite chance, je recharge et je casse la palette, voilà. Tu sais quoi, tu me laisses me soigner. Quoi, mais. Kylian, pourquoi t'as fait ça? On aurait pu te soigner quand même. Le mec, je l'ai laissé. Laisse-moi me soigner. Ah, c'est bon. Hop, le petit Willow, ça part. Hop. Willow, pas de seconde chance bien sûr. Hop. Bon. Bon, mais les deux autres, bah, vu que vous êtes soigné, je peux techniquement revenir. Alors toi, t'as vraiment la putain de chatte de sa mère. Du coup, Brahim, bien évidemment, la règle, tu connais, tu vas soigner Jackson. Putain, mais je suis bloqué par un putain de manche de bois. Oui, j'ai bégayé, d'accord. Mais je vous emmerde. Toi, t'as vraiment de la pure chance, c'est abusé. Hein. Wait. Pardon. Ta mère, le jeu. Genre le mec il est devant moi et genre j'arrive pas à le toucher peut-être. Mais vas-y, mais non, mais ça j'en ai marre de ce jeu si pourri là qui remonte d'un coup dès que je commence à viser. Non. Attends qu'elle rappelle la blague, attends que je l'ai mis en sourdine. Non. N2, je sais pas ce qui est normal, elle peut pas tirer au plafond, t'inquiète. Ah, c'est juste la porte en fait. D'accord. On va recharger alors. Viens là. Ah. Ah. Tu l'as mérité, hein. Vilain garçon. Hop. Non mais là, faut arrêter les conneries là. Faut arrêter les conneries là. Et la règle de je vais le soigner, tu lui mets la main dans le cul, c'est ça? Je m'en bats les couilles, non, mais tu t'es là. Si je meurs, c'est pour toi. Brahim, par contre, tu prends sur la ZAV à partir de maintenant, j'en ai rien à foutre. Par contre, ouais, il m'a clairement tuné là.
Mais j'ai rien que tu n'aies du tout. Brouille-toi. Mais depuis que regarde, c'est moi, à chaque fois que tu vises. Non, mais là, Enzo, t'abuses, par contre. Par contre, Enzo, t'abuses vraiment, par contre. Enzo, laisse-les me reste, parce que moi, j'ai pas eu ma raise, Enzo, par contre, connard. Ah, bon, t'inquiète, je libère Willow, d'accord. Attends. Limite, on est trois, c'est moi qui vise, quoi. C'est abusé. Non, tu me tues, j'en ai rien à foutre. Je peux te mettre Memento ou pas? Ah, non, mais même pas. Voilà, attends. On va soigner Kylian, d'accord. Comme ça, Brahim a sa petite raise. Et comme ça, tu peux me mentor Willow. Voilà. J'ai rien à foutre, tu me tues. Je veux plus vivre. Ta gueule. Ton shoot me donne mal aux yeux. Non, ouais, c'est compliqué de chercher des Blade Delight alors. En plus, quand t'as les joysticks, frère, bien sûr que c'est dur. Alors maintenant, on va s'occuper du petit. Hop. Carré. Bon, maintenant, Ken, tu peux aller sauver Brahim, bien sûr. Hop, tranquillement. Et je vais vous laisser des secondes. Tu sais quoi, je vais me barrer illico presto à l'autre bout, tu vois. Monsieur, ça se fait pas regarder des personnes quand tu es en train de faire des trucs. Du coup, je vais rester sur ce gène. Vous partez où vous voulez, je vous laisse 30 secondes. Dès que vous êtes tous les deux soignés, je vous laisse 30 secondes pour vous barrer. Et moi, je reste un gène qui est fait, donc voilà. Enfin, qui est fait. On s'est compris. Donc, je regarde juste le gène, voilà. Je regarde comme ça, voilà. Je regarde ce gène là et juste ce gène. Donc là, je verrai personne. Donc, dès que Brahim est soigné, je commence à compter, voilà. Donc, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, j'ai problème pour ma part. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, alors toi. Ok, mais j'ai un petit problème pour ma part. Si tu me vois, je vais me tuer, s'il te plaît. Ok, Enzo. Tu l'as mérité, Kylian. Enzo, si tu me vois, je vais me tuer. Là, j'ai plus de batterie dans la manette en fait. Oui, j'ai entendu. C'est ça, parce que sinon il va se baiser, bah non, il tire mal. Ouais, c'est bon, tu peux me rebuter si tu me vois, c'est bon. Ok, no problemo. Oh, fils de pute, putain. Je sais qu'il y avait une porte là. Quel chat! Désolé qui aide, mais ça c'est archi. Hop. Enculé. Hop, petit Kylian, ça part. Alors ensuite, attends. Un petit cow-boy chasse ses proies. Il essaya de les tuer comme il faut. Malheureusement, il fit de la merde. Donc c'est pour ça que je vais trouver Brahim. Et que je vais le trucider. Mon cher Brahim, bonjour. Super. Bonjour Brahim. Bonjour.
Bon, Kylian, vas-y, tu sais quoi, je le laisse pour leur laisser un peu de chance. Parce que je pourrais très bien aller chercher Kylian directement et lui niquer sa grosse race. Ah, Kylian. Kylian, au-dessus des escaliers, bien sûr. Bonjour, Kylian. Ah, bah, au pire, je vais le chercher maintenant. What? Bien joué ça. Ou pas. Hop. Hop. J'arrive, Kiki, j'arrive. Oh. Intéressant. Attends, hop. Oh merde, j'étais déjà dessus, je suis con. Kylian, où es-tu? Ah ouais, ça joue comme ça maintenant. Plus de respect, quoi. Ouais. Après, le problème c'est qu'à cause de perspective, le problème c'est qu'à cause de la perspective, du coup il est resté bloqué dans les murs et il est mort tout seul en fait. Tu t'es barré, Willow? Mais oui, après. Mais oui, après. C'est bon, je t'aime. Willow s'est barré. Ah, Willow, qu'est-ce que tu fous? T'es où là? Oh, Willow! Oh, Willow! Allez, les gars, on joue à Cash Victor. Quoi? Quoi? On venait les gars, on joue à Cash Victor. Oh vas-y. Oh vas-y. Moi je dis que c'est une idée de merde, mon vrai. Ma gueule, le live là ou c'est moi? En vrai, je voulais aussi tenter avec le cochon, parce que tu sais, je me mets à croupix et tout. Ouais, venez les gars, on joue à un jeu, je me... Oh, fils de chien. T'as oublié ou pas comme idée les gars? C'est une bonne idée, franchement. J'avoue. Vous cachez tranquillement sur la map, je vous laisse 30 secondes pour vous cacher, et une fois que vous êtes caché, je viens avec le docteur et j'attends de vous trouver. Alors, non. Ça t'appelle jouer à Dead by Daylight, ça, en fait. C'est encore en train de charger, là? Faut ma game, le live. Faut ma gueule, le live. On fait quoi, là, en gros? Cache-cache, Victor. Mauvaise idée. Live instable, mais je t'emmerde. Je pense que Victor est tellement incontrôlable, mec, au final c'est lui qui va vous chercher, je suis sûr. Ah, mais il y a un problème avec Victor. Il fait du bruit. C'est qu'on l'entend. Ouais, voilà. On prend le cochon, puis j'ai une terre qui fait que je vois les gens à 12 mètres quand je suis à coupie. Ah, bâtard. Est-ce que mon live marche, les gars? Enfin, quelle première ce live marche? Oui, mais c'est la merde. Attends, oui. En gros, l'aura du tueur, c'est. Ça va, alors, gros, par exemple, dans parenté, l'aura du tueur, c'est. Est-ce que c'est genre quand il est accroupi, quand il est debout, c'est quoi en gros? Est-ce que ça change ou pas? Par exemple, genre Ghostface, quand il est accroupi, est-ce qu'il a une aura ou pas de tueur? Une aura? Normalement, ouais. Tu peux pas le voir de quelque manière, quoi que ce soit. Parce que par exemple, genre, si par exemple, il accroche quelqu'un et que du coup, il y a parenté qui s'active, est-ce qu'on le verra accroupi à côté du mec ou pas? Alors, c'est pas quand il est accroupi, c'est quand il active son pouvoir. Mais quand son pouvoir est activé, il est immunisé aux perks qui permettent de le montrer. Ok. C'est pareil pour Maya, et le cochon rayer, ou le cochon accroupi. Le cochon accroupi, en gros, lui, tu peux pas visualiser son aura, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Et Michael Myers aussi, c'est ça. C'est ça. Ok.
On doit prendre des boîtes à outils de techniciens et prendre les engrenages. Ah oui, c'est vrai, on fait un jeu. Oh là là. Non, vas-y, Enzo, ne prends pas clin d'œil. Gros clin d'œil. Bon, mis à part ça, moi, je vais prendre un petit ampoule pour pouvoir éclairer la gueule de Kylian. Mais t'as pas lâché la gueule, connard. Du coup, là, tant que vous mettez premium, sûr. Ok. Ouais, et moi, je suis en train de chercher des petits trucs à mettre sur ma lampe torche juste pour me faire couper. Alors. Cette grosse tête de. Ah. On est d'accord, on prend proxy la fanny machin de Bichot, puis quoi là? What? Il sort d'où? Ah. On prend le truc là qui permet de s'auto voilà quoi, de s'auto soigner, on est d'accord. Ouais. Putain, mais cette scène. Attends, moi j'ai envie de prendre deux. Il y a deux paires que j'ai envie de prendre, moi. Oh, faut que je les retrouve. Ouais, Enzo, du coup, mets une app fermée, celle de ton choix, là, vas-y. Oh, mais là, je suis en aléatoire, là, je crois. Ouais. Mais tu veux une map fermée, alors? Bah, non, mais le comico. Ah, oui, quand même. Bah, en vrai, tu mets le comico, ça peut. J'ai mis le comico. Après, la map est assez grande, donc ça risque d'être un peu long. On bat les couilles. C'est le niveau qu'on se la garde. On bat les couilles. On est à 4, tu vois. Bon, ok, pas le comico. Ok, j'ai compris. Ah, mais c'est mon avis, après, c'est pas. Mais what? Mais. Ah, putain, je suis con. Putain, je suis con. Sur moi, pourquoi ça marche jamais dès que je mets une map? Pourquoi ça marche jamais? Alors que tu mets tout avec la map. Non, parce qu'en fait, je mets à chaque fois, j'oublie d'appuyer sur appliquer le changement. En fait, à chaque fois, je retourne en arrière, mais avec le rond. C'est le pire des débiles. Ta gueule. Ta gueule. Pardon. Mais ouais, c'est vrai. Mais du coup, vous pouvez mettre prêt. Vous pouvez mettre prêt. Non. Ah. Ah. Il y a pas même Memento Mori, mais version survivant, les gars. Quoi? Et Memento Mori, version survivant, ça existe pas? Alors, pas vraiment. Non. Allez, allez, juste pour le kiff, allez. Pour le kiff. Vous allez voir ce que j'ai pris. Ça a lancé, oui. Boum. Voilà. C'était la pire voix d'Europe. Comment sauver? C'est vrai, Poyo, il voulait tellement. Mais compris ce que j'ai pris maintenant. C'est bien. Brahim, alors je sais plus qui c'est. Alors Enzo, Brahim, je sais plus qui c'était, mais une fois j'avais pas mis un piège à ours traversé sur un autre. Arrête de bugger! Brahim, d'accord, il bug. Ouais. On est d'accord, merci. Quitté! Putain. Ouais. Allô? Bug à mort. Au moins, quand il bug, au moins il n'y a pas d'écho. Ce qui est cool. C'est marre. Kylian, tu es vivant. Kylian. D'accord, il est mort. Il est mort, en fait, il est pas vivant. Ah, ok, d'accord. Bah, rip Kylian, repose en paix. Toutes mes condoléances pour toute ta famille, même si t'es mort. Alors, je disais, il y avait un de vous quatre qui avait dit pourquoi t'as pas, il a pas mis de piège ours, ce con, mais parce qu'en fait, le nombre de piège ours, c'est limite. Du coup, là, on fait quoi? Tu te caches direct? On fait quoi? J'en ai pas tout le temps, voilà. Mais quoi, j'ai pas compris, il a dit quoi, Kylian? On fait quoi? Tu te caches direct? On a pas mis de piège, parce qu'en fait j'en avais plus. Putain, mais. Ah, si, c'était moi! Qui avait dit, il a pas mis de piège. C'était moi! Ouais, c'était toi, parce qu'en fait j'en avais plus. T'en as un nombre limité des pièges. Ah, on a que 4. Ah, ok.
Donc maintenant c'est toi le con, voilà. Je t'emmerde. En plus j'aime pas le cochon. Enfin j'aime que quand je le bouffe, mais non, je rigole bien. Alors le mec qui fait un générateur, déjà je le baise. C'est pas moi. Moi. Oh le fils! Oh le fils! De pute! Alors je voulais pas être vulgaire, mais bon, là tu t'es insulté toi-même, hein, donc c'est ton problème. Écoute, bah Emile attend. J'ai vu un cochon oral 4 pattes! Mais attends, c'est qui cherche qui là, attends, putain? C'est qui cherche qui là, putain? C'est moi qui vous cherche. Ah, c'est toi qui nous cherche! Non, non, c'est vous qui me cherchez, je suis trompé, excuse-moi. Ah, mais je t'ai trouvé alors! Bah, mec, Brahim il était en train d'attendre. Mais mec, j'ai vu un cochon à deux pattes accroupi en train de marcher, t'es un psychopathe. Bah, justement, en fait, il est en train d'attendre en début de game en fait, NG, mais pas. Mais c'est pour ça que je lui ai dit, alors tu te caches direct, on attend, on fait quoi? Et le mec m'a mis un gros vent. Donc, nick. Mais en plus, j'étais en train d'attendre parce que j'étais en train de faire un gène. Donc, techniquement, je pouvais pas bouger. Donc, techniquement, il pouvait se passer comme il le veut. Et Kian, t'es caché ou pas? Je suis pas en train de faire un gène, mec, j'ai des corbeaux autour de moi. Et Kian, il peut confirmer. L'enculé. Bah du coup tu dois attendre que Brian te soigne. Ouais je vais là où t'étais caché. Il est en train de ramener le corbeau de sa tête. Maïm je suis là. En tout cas bonjour aux deux autres personnes. T'es où Enzo là, je vois pas. Hein? Tu vas pas, t'es où Enzo? Je suis pas à l'autre bout. En fait, je suis à la porte, tu sais. Ah. Non, en fait, j'ai un petit peu vu moi-même que tu veux. Ah, mais non, mais j'ai prophylaxie, je peux me sonner moi-même. Compliqué, hein. En tout cas, s'il y a des gens qui veulent rejoindre, bien sûr, bah ils sont tout à fait libres. Je t'ai vu, j'avais déjà que tu voulais me frapper, je reculais d'un coup. Ouais, j'ai vu. Mais en fait, j'ai que 12 mètres de champ de vision, donc c'est un peu compliqué. C'est pas comme avec Mayor, parce qu'on a 32 carrément. Nous, à 32, en vrai, c'est violent. Nous, à 32, en vrai, c'est violent. Ouais. Mais même avec ça, à 4, vous me trouviez. Bon, après, à 2, ok, c'est bon, je peux bouger. Je me suis soigné. Donc, je vais trouver Kylian et je vais le buter. Alors, mais je suis soigné. Je te mets sur un crochet. Hein. C'est moi où je viens de le voir, là. Moi, je... Attends, j'ai cru te le voir par une fenêtre, mec. Kylian! Kylian! Je t'ai vu! Sors de ta cachette! Mito? Tentative de brain raté. Mec, je sais que je te vois pas au travers. Mais il a une sorte de ton mur là, je t'ai vu. Ah! Trouvé! Menteur, ferme ta gueule. Franchement, t'étais convaincant, mais ferme ta gueule en fait. Pierre, j'ai une technique. Reste là et. Et je le trouverai. Donc le mec, il voulait camper à l'étage du dessus, d'accord. Oh, espèce de stream hacker. What, mais tu stream hack en plus, enculé. Non, crois-moi, je t'ai vu sans ton stream. Bâtard. Une gratte à ta perche, en gros. Enfin, une gratte à ton perso, ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi, c'est un truc bizarre. Ah, mais y'avait un cochon qui se déplace. Ça veut dire, Reno, j'étais à 12 mètres de toi, donc t'as intérêt à bien me chercher. La chose que c'était en dessous de moi, tu vois, donc. Vu que t'avais une fenêtre et tout pour voir, donc ouais, je t'en fous de toi, ouais. C'est pas moi la palette, hein, bien sûr. Mais arrête avec vos casiers, bordel! Ah oui, c'est vrai qu'il peut. Enfin, qu'il a le truc de merde. Cochon! Et papig! Ça va être une porte. Mais arrête avec ton fucking casier, FDP! Cochon! T'es où, cochon? T'es papig! Peppa Pig. Peppa Pig.
Big, ton baron est là, elle te demande de venir. Pépa. Me demande ce que t'habites si je fais ça. Tu branles. En fait, pousse-toi. C'est quoi là en plein centre de la map, les gars? Ta gueule. Ta gueule. Pépa Big, t'es où? Pépa Big, t'es où? Mais Enzo, lâche cette palette, bordel, t'as rien fait. Mais lâche-la, bordel. Mais non, Enzo. Pas d'attouchement sur les palettes. T'es où, Pépa Big? T'es où, Pépa Big? Bah, nulle part, connard. Bah, si, quand même, enfin. Peppa Pig! Peppa Pig! Peppa Pig! Je t'ai vu! Je t'ai vu! Mais mec, je t'ai frappé avant, ferme ta gueule! Alors, non, tu m'as frappé, je t'ai trouvé avant que tu me frappes. Il était où? En fait, c'est ça, mais il était dans la cave. C'est vraiment, je me suis dit, attends. Et là, je me suis dit, ah, et ouais, et là, je pense qu'il est dans le cave. Et là, d'un coup, tu sais, il voit un cochon qui sort de derrière le mur, là. En plus, j'ai entendu avec son gros hochement de. Il a senti que ça allait partir en gros dash sa mère. Tu sais, j'ai pensé au fait que tu serais dans la cave, mais je me dis non, je pense pas qu'on ait le droit d'aller dans la cave. Bon, enfin, moi aussi. T'as le droit, bien sûr. Le problème, c'est que t'es un peu. Maintenant, on l'a fait, mec, le spectre. Non, je déconne. Alors non. Spec, c'est genre niveau impossible. Niveau 1 million. En plus, le spectre aussi, il a une add-on pour pouvoir voir les gens à travers de c'est nul, on peut même pas faire ce que je voulais. Attends. En fait, désenchanter un totem, ça veut dire en gros que tu enlèves un totem qui a un sort dessus, c'est ça? Techniquement, si je vais là. Ouais. Je vais t'abonner à accrocher, Kylian. J'ai envie de saboter des crochets. Par contre, j'ai envie de merde. Hein. C'est bon. J'ai saboté les crochets. J'ai fait mon petit rôle. D'architecte. Where is the car? Oui, parce que j'aimerais quand même récupérer ma lampe torche, trop calme. Hop. Je suis au calme. Qui? Peppa Pig. Peppa Pig. Ferme ta gueule. J'ai trouvé, arrête de bouger. Oh GG. Ah. Rien à foutre, je pense quand même parce que je suis un rageux. Je crois qu'il y a pas trop de mille que j'ai trouvé. Mais ça c'était vraiment de la rage pour dire. Bon, du coup, T'es où Abraham? Ah, bah je vois quelqu'un qui. Mais ta mère la grosse pute en fait. Bah le crochet frérot hein. Comment ça crochet? Bah tu l'as trouvé en deuxième. Le capitaine. Comme que toi qui aime le capitaine. Le capitaine crochet. Mais va pas me tuer. Mais va pas me tuer, sale fils de traître. Le crochet. Pardon. Le crochet FDP. Merde. Connard. Allez. Non. Mais mec, t'es sous merde. Eh Brahim, attends, c'est quoi, attends qu'on y est. C'est pas joué. Attends, peut-être qu'il y a un générateur dans l'instant. On a pas glaché le truc. Ah, le bâtard. Alors, c'était quoi ce but? Bah, c'était un connard, hein, voilà. Y'a pas de crochet. C'est une pute, il va trouver un crochet. Ça, il n'avait pas, quoi, fait chier. Mais non, la règle du jeu, tu sens, c'est de te faire accrocher une deux. Mais quelle pute! Map de merde qui sert. Map de pourri.
pourri. Non, mais non, mais non. Mais t'es vraiment un chien de la casse, hein, tu sais ça? Non, en plus, je peux même pas saboter les crochets du bas, mec. J'ai tenté et ça n'a pas marché. Les crochets de la cam, non, tu peux pas les saboter. Ouais. Et arrête de danser. Laisse-moi kiffer. Enzo, pas bouger, viens là. Merde, mais... putain, je l'ai frappé à côté, tu me fais couille. Ah, mais une casque. Bah, attends, Brahim, vas-y. Flashlight. Mais Enzo, mais arrête de débattre. Ouais. Enzo, pas bouger. Bonjour. Mais tu devrais pas te cacher toi, parce que la panique grenouille, j'ai trouvé en fait. Faut t'as go fast. Il a couru ses grands morts là, je te le dis mon pote. Maintenant faut trouver des machines. Non, moi c'est un but trouver qui est là, mon but c'est trouver des machines. Bah tu sais quoi, je vais camper les machines et je vais t'accrocher direct. Ah mais non, il y a qu'une machine. Ah non, pardon, il n'y a pas qu'une machine. J'ai dit de la merde. Tu peux arrêter de camper les machines, Kylian? Non. Non, mais Kylian. Oh, le fils de... Putain! Mais je voulais te regarder retirer le piège. Mais oui, mais c'était pas beau. Attends, y'en a un là-bas, tout là-bas là. Oui, tout là-bas, oui. Attends, on va aller à l'autre alors. On y va à deux. Il y a tout. Je fais un tout droit, je m'arrête pas. Ça, c'était débile. Je fais un tout droit, je m'arrête pas. D'ailleurs, regarde là, j'ai le bodyblock d'un côté, moi de l'autre. Bah, allez, go fast! D'accord. Alors, les gars, prendre la position pour le soin, elle est magnifique. Alors, Enzo, écoute, pour ce moment, mec, c'est une nouvelle technique, frère. Je le passe avec mon cul. Les gars, sur mon écran, il est en train de te twerker pour te soigner. Alors, tu peux bouger? La technique de soigner. Ah merde. Vas-y, Brian, twerk-le. Je veux retirer ce piège. On va rigoler. Pas vraiment de petits bagues avec ce perso. Hein. Enzo, pas bouger. Une ronde de pêche, ça marche pas. Mais tu vas dormir ta gueule. C'est trop chiant. Ouais. Bah non, je t'ai frappé. Bah, alors là, on t'a trouvé. Bah, tu te barres ou comment ça se passe? J'avoue. Au revoir. Ok, on pourchasse. T'es où? Peppa Pig. Je me lève et je vous baise. Peppa Pig. What? Oh, Peppa Pig. Trouvé Peppa Pig. J'ai trouvé. Le mec m'a littéralement laissé 5 secondes pour m'enfuir et après quand ils ont plus rapide, ils nous rattrapent pour 2 secondes. Peppa Pig. Vous savez quoi? Peppa Pig. Non mais c'est toi qui es plus rapide que nous, je te rappelle. Non mais quand je suis accroupi, vous êtes plus rapide que moi. Mais pourquoi? Non, il a poussé directement sur toi, moi juste fini parce que du coup logique il a trouvé avant moi. Mais mec, y'a pas de palette ou quoi, mais c'est quoi je pourris? Enzo TG. Maintenant c'est toi qui joue à cache-cache. Tu vois, je te vois pas là-bas le bon. Oh fils de putain, il va arriver. Enzo, je suis pas loin, fils de chien.
Fils de chien. Faites une palette. On se tire. On se tire. Non, il ne devrait pas être caché pendant que nous on utilise notre propylaxie là. Ah non, mais là j'en ai marre, vous m'avez cassé les couilles. Oh quel chien! Ah merde, mais c'est vrai qu'il a la compétence pour nous voir! Mais putain de jeu! Endspinner, mon gars. Non, attends. Putain, mais ça marche pas. End spinner, j'ai dit! Wesh! Ah! Ah, d'accord, bon, écoute, au moins, Brian me fasse. Non! 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 Fils de chien! Fils de chien! Pardon? Kylian, je joue tueur. Ah non. Mais bon sang, moi je devais y aller là. Quoi? T'as tout niqué. Non, je vous ai. Attends, genre, on va jouer au jeu et Enzo, t'as ton tour ce soir, t'inquiète pas. Bon, du coup, là, c'est la fin du live. J'espère que vous avez aimé. C'est la fin de la roadie, c'est la fin du live, c'est la fin de la vie de Kylian. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié tous ces petits moments sympathico de rage, de ski, de. Oui. Je pense qu'on pourrait faire un truc, on pourrait faire un cache-cache dans la vraie vie, toi et moi avec une batte de baseball et quelqu'un qui doit se cacher toute sa vie avant qu'on le retrouve et qu'on le défonce sa gueule. Ouais. Tout le reste de sa vie dans ce cas-là, parce que à mon avis il va pas rentrer grand chose d'ailleurs. Abonnez-vous, follow la chaîne Twitch. Likez la vidéo, clochez ma chaîne, partagez, commentez, ça fait super plaisir. Dites au revoir. Au revoir. Portez-vous bien, je vous dis, game over.